J'espère que tout le monde est là, vous êtes en forme, hein, bien mangé, etc. Moi, ça va, en super 100%, Dieu merci, je suis là, ça va très bien. Très content en tout cas de vous retrouver encore de nouveau, hein, sur les lives, c'est très très intéressant et puissant les lives, ça permet d'interagir. Souvent, on vient sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, raconter des conneries et partir. Il y a pas assez... Ça, c'est très facile. Tout le monde peut allumer son caméra et aller sur YouTube ou TikTok, raconter du n'importe quoi et partir. Hein. Il y a pas quelqu'un qui vient pour vous contredire ou bien dire que c'est... J'ai besoin d'avoir plus d'informations sur ça ou ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est facile. Mais venir faire un live, voilà, les gens vont poser des questions, on va discuter. C'est plus humain. C'est plus humain, quoi. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de barrières frontières. Hein. Je suis au Sénégal, je suis à Abidjan, je suis à Ouagadougou, je suis à Dubaï, je suis partout. Voilà. Je vis dans une village planétaire. Voilà. Je suis un citoyen du monde et chacun d'entre nous doit voir le monde d'aujourd'hui comme ça. Vous ne vivez plus dans vos pays. Vous êtes où? À Ouagadougou. Certes, vous êtes à Ouaga, mais vous êtes dans cette planète. Voilà. L'objectif de cette rencontre, les gens en train de s'entraider, d'entrer. Voilà. Là, je peux permettre quelques personnes d'ouvrir leur micro et dire bonjour, se présenter. Voilà. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous attendez de cette live? Voilà. Il y a 15h02 minutes. On est à l'heure. Hein? Et ensuite, dans 5 minutes, comme ça, on peut démarrer parce que voilà, les gens sont en train de se connecter, de se connecter. 5, tu as levé la main. Tu peux. Allez-y. iPhone 5, allez-y. Allô, allez-y, je vous écoute. Bonjour. On passe à Romba, si je ne me trompe pas. Allez-y. Tu peux te présenter, Oui, hein? bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Romba Bourema. Je suis à Ouagadougou. Je suis très ravi de participer à cette conférence. Comme j'aime le dire, où il y a conférence seulement, je suis intéressé. Peu importe, même si c'est à la lune, je suis Wow. intéressé. Très bien. D'accord, donc ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous. C'est super, c'est très bien. C'est très bien, tu as tout compris, hein? Tu as compris l'essentiel. Vous, c'est normal. C'est votre ami, c'est mon ami du Ouaga qui dit conférence en conférence, séminaire en séminaire, rencontre en Oui, rencontre. de contact à contact. C'est Je mon viens ami. juste d'avoir 30 ans. Ah, la semaine, je pense Yes. que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'étais avec lui à Ouaga. Je reviens, je pense qu'à Ouaga, mois de septembre, pour le G4 7, si je n'ai pas eu l'occasion de revenir avant même, parce que voilà. Allez-y, à 220, à 21, hein? À 21, je pense que c'est Modou. Allez-y. Pour les autres, vous pouvez aller chercher une bouteille d'eau à côté, chercher un stylo à côté, ne sois pas distrait, n'accepte même pas d'être distrait. On va se concentrer, on va faire, comme disait, voilà, comme c'est mon ami du Ouaga, on va faire comme coach, on va dire c'est du haut niveau, c'est du métaphysique. Quand on parle de métaphysique de haut niveau, on n'a pas besoin d'être distrait. Moi, je ferme la porte, je dis tout le monde, je n'ai même pas besoin d'être dérangé. Vous aussi, c'est du pareil. Voilà. Donc, il est 15h05. On a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Donc, on va prendre juste trois personnes et ensuite, nous allons démarrer. On prend juste trois personnes, ensuite on démarre. Je vois ici Mohamedou Nourou, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Allez-y. Tu comprends, Mohamedou. Tu peux activer ton micro. Et les autres, s'il vous plaît, à chaque fois que vous ne parlez pas, coupez le micro. Allez-y, Mohamed. Bonjour, Monsieur Sek. Bonsoir. Oui. Je suis Camerounais. Je Super. m'appelle Mohamed Nouroudjini. Je suis ingénieur en système industriel. Donc, tout ce qui concerne les industries, la maintenance. Mais au-delà de cette compétence-là, je m'intéresse aux opportunités digitales et tout ce qui est vente en ligne, crypto-monnaie et tout ça. Voilà pourquoi je suis là pour puiser la connaissance parce que je vous suis beaucoup en ligne et aujourd'hui, je pense qu'on va encore profiter de vos connaissances. Merci. Merci, merci beaucoup Mohamed, merci.
Moi aussi, j'aime bien le Cameroun. Il y a plus, je dis en Afrique, c'est le seul pays qu'il y a des milliers de plats différents. Tu manges tout et de tout, Effectivement, voilà. il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Exactement, exactement. En tout cas, pourquoi je vous dis ça, ce que je vous souhaite, peu importe votre âge, peu importe vos niveaux d'études, aujourd'hui, premier objectif, on n'a pas encore commencé, que vous devez fixer, il n'y a plus de barrières frontières, mes amis. Cameroun, Sénégal, de Ouagadougou, Abidjan, vous êtes chez vous. Moi, aujourd'hui, je me considère comme un Africain. La semaine, le mois passé, pour ne pas dire, je pense qu'il n'y a même pas un mois, il y a moins de 15 jours, j'étais à Ouaga. La semaine prochaine, ce serait à Abidjan. J'étais à Douala. Donc, pour dire quoi, il y a plus. Enlevez-nous dans nos têtes. Il faut enlever dans nos têtes les barrières frontières. Ce sont les colons qui sont séparés nos pays. Nous sommes dans un seul pays. Déplacez-vous, augmentez, voilà. Distribuez vos business. Sénégal, c'est votre pays. Venez implanter vos business. Comme je le fais, je le dis, je pense que si tout se passe bien, si je n'ai pas trop de temps, ce sera septembre. Mais si j'ai un peu de temps, je pars à Ouaga avant septembre parce que j'ai commencé à faire des business à Ouaga. Ouaga, c'est mon pays. Voilà. Abidjan, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi j'adore vraiment cette variété, Douala, Burkina, etc. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans la salle, qui vient d'Abidjan. Voilà, comme on a quelqu'un qui parlait de Ouaga, quelqu'un qui a parlé du Cameroun. S'il y a quelqu'un dans la salle de la Côte d'Ivoire, vous pouvez ouvrir votre micro et faire une brève présentation rapidement. On prend quelqu'un qui est au Sénégal et ensuite on démarre. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui s'est connecté à partir de la Côte d'Ivoire? Il y en a, vous pouvez activer votre micro et Allô? prendre la parole. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, moi c'est Lyon Armand de la Côte d'Ivoire. Ah, très bien. Quand tu savais que c'est l'Afrique qui se réunit. C'est Allez-y, ça. c'est un plaisir. Oui, vraiment, en tout cas, ça me fait un grand plaisir, voilà, d'être connecté pour suivre, voilà, ce direct. Parce que vraiment, depuis que, voilà, j'ai suivi la formation, là, j'ai eu plus d'esprit, voilà, j'ai fait un peu de gain quand même. Voilà, de temps en temps, j'ai fait un peu de gain. Et puis, voilà, le jour aussi. Et puis, c'est comme ça. Super, super. Il y a quelqu'un du Sénégal. Espérons qu'il y a quelqu'un du Sénégal. Vous savez, avant, pour taquiner les Sénégalais, vous savez, les Sénégalais en Afrique d'une manière générale, mon troisième livre, je l'ai intitulé La cause de l'échec de la jeunesse africaine. Je vois qu'en Afrique, s'il y a quelque chose qui nous bloque, entre guillemets, surtout Afrique francophone, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouaga, etc., il y a énormément, énormément de faits. Hein? Il y a énormément de faits. Pour réussir, il y a un prix à payer. Il y a un moment donné, moi, je me suis débarrassé plus ou moins de beaucoup de folklore, hein, les fêtes, etc. Parce que ça ne nous amène nulle Bonsoir. part. Allez-y, allez-y. Bonsoir, ça Et ça va très bien. va? Amad, depuis Sénégal, directement. Ah, Amad depuis Sénégal. J'espère que Bonsoir, tu je ne fais vous. pas partie. Je voulais dire que tu ne fais pas partie des gens qui sont en train de ramasser tous leurs économies qui sont travaillées durement depuis des mois et des mois pour le mettre sur la fête de la Tabaski qu'on est en train de préparer après-demain. J'espère que tu ne fais Non, pas partie. non, non, je ne fais pas partie de ce nom-là. Parce que C'est pour très moi, bien. ça, c'est du gaspillage, quoi. C'est super. C'est super Parce d'être que dans la partie. la fête de Tabaski, c'est juste une seule journée. Tu as tout compris. Là, Malheureusement, les gens c'est dépensent ce qu'ils ont gagné des mois et des mois. Ouais, c'est ça. Je suis franchement ravi d'être invité ici dans le groupe et j'aimerais aussi partager avec vous ce que la connaissance que vous avez. Aussi nous aider quand même à nous améliorer dans la vie aussi. Parce qu'on a commencé à vous suivre depuis longtemps. Une fois, je me suis présenté avec Bahamat, c'est toi. C'est super, c'est très bien. Côté Samy, j'espère que vous me reconnaissez. Le jour que je suis venu vous parler des multiservices. C'est super, c'est très bien. C'est Depuis très lors, bien. je ne cesse de vous suivre de YouTube, TikTok, je vous suis partout. Merci, merci. C'est Merci beaucoup, merci C'est beaucoup. pour cela, dès que j'ai vu que vous avez annoncé cette réunion, je me suis très vite pris
te positionner pour être parmi les premiers à s'inscrire. Ah, oui, c'est super, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le groupe, on est presque 180 personnes. En ce moment, il y a presque 50 personnes. C'est le moment de démarrer le live, mes amis. Donc, les amis, on va donner tout le monde la parole, hein, de parler avant la fin, etc. Mais l'objectif, c'est de partager, de faire une séance de partage d'expérience, hein, sur le business en ligne, comment réussir sur Internet. D'accord? Donc, s'il y a une seule chose que je vais demander, c'est qu'on puisse couper les micros. Si vous entendez très bien, bien sûr. Si vous entendez très bien. Et ensuite, on peut couper nos micros pour ne pas déranger. Et nous allons noter attentivement. À chaque fois que j'arrive sur un point que vous n'arrivez pas à bien saisir ce que je dis, ça, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et m'interrompre pour que je puisse apporter plus d'éclaircissement sur ces points-là. Je peux pardonner quelqu'un qui sort dans cette live. Je peux pardonner quelqu'un qui sort dans cette live. Carlos, c'est le sommeil qui fait. S'il vous plaît, c'est ça que je demandais, si on peut couper les micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je disais que je peux pardonner quelqu'un aujourd'hui qui sort dans cette live, qui suit cette live du début à la fin, sortir et dire tous ces blabla-là ne m'intéressent pas. Je peux pardonner quelqu'un qui sort dans cette live dire moi, gagner de l'argent sur Internet, finalement, ce n'est pas facile, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne peux pas pardonner quelqu'un qui sort dans cette live et dire je n'ai pas bien compris. L'objectif, c'est que ça soit vraiment très, très, très clair, du début à la fin. Et ce que j'aime aussi dire dans mes prestations, un peu partout dans le monde, j'ai de dire, moi, je ne suis pas un professeur. Moi, je suis quelqu'un qui a testé, qui a osé expérimenter beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Et en forçant de tester beaucoup de choses, j'ai découvert les stratégies, les méthodes, les mécanismes qui marchent. Et étant un jeune, je ne dirais même pas à la classe moyenne, mais comme tout le monde, pour ne pas utiliser le mot pauvre, je sais comment il est difficile dans notre continent d'être dans certaines situations. Donc, quand tu réussis à découvrir certaines astuces qui te permettent de changer ta vie, parce que si ta vie a commencé à changer ou pas, tu n'as pas besoin de le dire. Si tu n'arrives pas à gagner ou tu gagnes, tu n'as pas besoin de le dire parce qu'il n'y a plus d'être dans ce monde-là. Si tu arrives à faire certains trucs, on sait si ça marche ou pas. Je ne dirais pas que j'ai des millions ou des milliards, mais le peu que j'ai aujourd'hui, j'ai découvert des secrets qui m'ont permis de le gagner. Et c'est pour ces secrets que j'ai commencé à partager depuis un bon moment. Et je vois des résultats positifs par rapport à des personnes qui ont suivi à la lettre ce que j'ai partagé avec eux. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je ne suis pas un magicien, ni un génie qui va venir dans un clic de doigt pour transformer votre vie. Non, s'il y a quelqu'un qui pense que tu vas venir juste regarder à un seul clic de doigt et devenir millionnaire ou milliardaire, non, cette live n'est pas faite pour vous. Mais s'il y a quelqu'un qui pense que ce qui différencie les gens qui réussissent et les autres, ce n'est pas ni les compétences, ni les niveaux d'études, ni les diplômes, mais c'est juste certaines informations clés que ces personnes réussissent à détenir et nous, malheureusement, non. J'ai découvert ça en 2018. Lorsque j'ai découvert que si je veux atteindre le niveau de vie de certaines personnes qui m'inspirent, ce n'est pas besoin de chercher plus d'argent pour arriver à leur niveau, mais j'ai besoin de chercher quoi? Plus de connaissances pour comprendre ce qu'ils ont découvert pour arriver là où ils sont. Depuis que j'ai compris cette méthode, et commencé à le pratiquer, aujourd'hui, je vois les résultats. Les résultats, je le vois, et c'est exactement aussi que je souhaite à tout le monde. Tout le monde. Je veux que tout le monde ait des résultats, atteindre ses objectifs. Et l'une des meilleures moyens de le faire aujourd'hui, en 21e siècle, ce n'est rien d'autre que l'Internet. Je dis que l'Internet devient un coup raccourci. De temps en temps, je vais vous poser des questions pour vous me répondre. Est-ce que vous voyez le slide? Une seule personne pour activer son micro pour dire si vous voyez le slide. Oui, on le voit. Ok, super, super. On le voit.
Voilà. Donc, c'est super. Et je travaille, hein, voilà. Tout ça, nous allons voir. Je pense que je vous avais envoyé le programme tout à l'heure dans le groupe. Nous allons répartitionner cette séance sur trois étapes. C'est-à-dire que nous allons voir quand on est sur Internet ce qu'il nous faut. Et ensuite, nous allons voir maintenant les business en ligne que j'ai testé, qui est plus ou moins pas mal, qui marche, comme le e-commerce, le dropshipping, etc. Et nous allons finir avec l'une des éléments, moi personnellement et certains de mes amis qui ont réussi à changer leur vie grâce à cet écosystème qui est la crypto-monnaie et la blockchain. C'est pourquoi je dis, aimerez-vous savoir comment profiter du potentiel économique d'Internet pour gagner votre vie librement selon vos propres critères? Aimerez-vous savoir comment profiter du potentiel économique de l'Internet? Vous êtes tous sur Internet, que ce soit, comme vous le dites tout à l'heure, vous me suivez sur YouTube, TikTok, vous gagnez votre life, c'est grâce à l'Internet. Si vous êtes sur Internet, vous gagnez de l'argent sur Internet ou vous permettez d'autres personnes de gagner de l'argent sur Internet. Il n'y a pas 1000 options. Vous gagnez ou vous permettez d'autres personnes de gagner. Et ceux qui gagnent sur Internet, ils ne sont pas des gens les plus intelligents que vous. Moi qui vous parle, je n'ai jamais allé à l'école. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'intention de vous parler de mon parcours, je n'ai pas parlé de ma chaîne YouTube. Mais vous le savez, si quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école se permet de gagner, pourquoi pas vous? Donc, vous avez votre place. Ce qui vous manque, c'est peut-être juste des informations, des orientations, des accompagnements. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vraiment... S'il vous plaît, vous pouvez couper vos micros. Quand vous entrez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, séminaire de formation, aujourd'hui, c'est le 7 juillet 2022, de 15h à 17h. Je vous demande de noter la date, parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que je voulais vraiment que dans peut-être 3 mois, 6 mois, vous dites, après avoir suivi telle formation de telle date, voici les résultats. Si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous n'avez pas bien suivi ou bien c'est pas assez, ou bien on n'a pas beaucoup bien partagé en tout cas les contenus. Et comme je le dis, il n'y a pas d'invention. On n'a pas l'intention d'inventer quoi que ce soit. On vous partage ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire. Comment gagner sa vie sur Internet? Point d'interrogation, j'ai mis un grand-père. Pourquoi l'image d'un grand-père? Tout ça, c'est des... Tous les images, ce n'est pas choisir les images par hasard. Si je choisis l'image de grand-père pour vous dire que nous, les jeunes qui sont plus connectés, plus digitales, si un papa ou maman ou grand-père ou grand-mère est capable de gagner de l'argent sur Internet, pourquoi pas moi, my God, pourquoi pas moi? Et pour aussi ceux qui ont peut-être une cinquantaine d'années, ne vous inquiétez pas, vous avez votre place, papa. Si vous avez 60 ans, vous avez votre place. Dans la vie, là, c'est dans la tête. Et si vous regardez le fondateur de KFC, il a créé cette boîte à partir d'une 70aine d'années. Mais ce n'est pas une raison pour dire que je vais attendre 70 ans pour les jeunes. Mark Zuckerberg a créé Facebook dans ses vingtaines d'années. Donc, le bon moment pour le faire ou pour commencer, c'est aujourd'hui. Souvent, certaines personnes disaient que le bon moment, c'était hier. Tout le monde a sa place. Comment gagner sa vie sur Internet? Voici ma motivation. Ce qui m'a motivé, moi, j'ai découvert ça en 2018 lorsque je lisais le livre de Robert Kiyosaki, Le cadran du cash flow, qui nous explique que 95% de la population mondiale, ils vont mourir pauvres. 95% de la population mondiale. Souvent, ce sont les personnes les plus intelligentes, plus instruites. Ces 95% de la population mondiale vont partager 5% de la richesse mondiale, mes amis. La richesse mondiale, il est 1000 francs, il est 1 million. Ou bien, il est, je ne sais pas comment, 1 million. Ils sont partagés que les 50 000 et les 950 000, c'est les 5% qui restent qui vont partager. Ce n'est pas logique. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre. Regardez autour de vous, regardez votre pays, regardez le monde entier. Il n'y a que 5% de la population mondiale qui partage
la richesse mondiale. Mais on n'a pas interdit personne de faire partie de ces 5%. Mais ils ont peur de se lancer. Ils ont peur de payer le prix. Ils ont peur. Et le business, ce qui est étonnant ou ce qui est intéressant, là où il se trouve les 95, les 5% qui partagent l'économie mondiale, même si vous êtes bête, si vous êtes dans cette cage, dans cette catégorie de personnes, vous aurez votre part. Parce que là-bas, il n'y a pas de concurrent. Là-bas, tout le monde a assez. Là-bas, il n'y a pas, on n'a pas besoin de s'entretuer pour avoir. Là-bas, on n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour que la nôtre brille. Donc, dans cette logique, il suffit juste de faire un petit, petit effort pour s'en sortir. Je le dis à mes amis, à mes frères, à mes sœurs intellectuelles qui ont leur master, leur doctorat, qui sont à la maison, qui ne font rien, qui t'appellent même pour te dire « j'ai besoin de 1000 francs pour le transport, j'ai besoin de ceci ou cela ». Ce n'est pas parce que moi, je suis plus intelligent que ces gens-là. Ce n'est pas moi, je sais chercher ou gagner de l'argent mieux que ces personnes-là. Mais ils sont dans le cadre, dans la phase où l'intelligence ne suffit pas. Même tu peux être plus intelligent que Barack Obama, c'est difficile d'avoir de l'argent parce que vous êtes 95% qui partagent que 5% de la richesse. Et mes amis, tous les business sur Internet que vous allez faire, vous mettez dans cette case des 5%. C'est une violence planétaire. Sur YouTube, sur Facebook, pour vous dire quoi? Sur YouTube, sur chaque 1 million de personnes qui entrent sur la plateforme par jour, il n'y a que moins de 1000 personnes qui sont là pour gagner de l'argent. Mais il y a plus de 950 000 personnes qui sont là pour leur apporter de l'argent. Pourquoi pas vous? Le jour où j'ai découvert ça, aujourd'hui, vous me suivez sur YouTube. Vous dites que voilà, je suis vos vidéos sur YouTube. Le jour où je me suis lancé sur YouTube, je ne savais même pas quoi dire sur YouTube, mais je savais qu'il fait partie des canaux qui peuvent me permettre d'être dans les 5%. Je n'ai jamais supprimé les premières vidéos que j'ai partagées sur YouTube. Pourquoi? Pour que toute personne qui va tomber sur mes vidéos aujourd'hui ne va pas voir les résultats, mais il voit le processus. Vous avez votre place sur YouTube. Vous avez votre place sur partout. Voici, en gros, ce qui m'a motivé à entrer sur Internet. Je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient du ciel, qui tombe du ciel, ou bien qui est un génie comme ça. Non, j'ai commencé comme ça, comme tout le monde, avoir des business physiques. Ça, c'était 2016. Premier business qui m'appartient, que j'ai créé, c'était Multiservice. C'était en 2016. À Dakar, 2017-2018, j'ai commencé à avancer, créer un autre multiservice. Cette photo de 2017, j'ai commencé à évoluer sur les multiservices. J'ai gagné 10 000, 15 000 par jour. Je pensais que c'est la fin du monde. Un jeune qui n'a que 22 ans, qui n'a jamais allé à l'école, qui se bat, qui débrouille pour créer un multiservice. Je commence à gagner 15 000 par jour. Le mois, c'est 450 000. Je paye mes... Moi, je pense que c'est la fin du monde. Je pense que j'ai de l'argent. Pour moi, j'ai réussi. J'ai lu le cadran du cash flow, j'ai compris que je n'ai absolument rien compris. Je me suis lancé sur Internet, plus ou moins à commencer à zéro, mais continuer à apprendre. Jusqu'à 2022, ça me permet d'avoir un centre de formation au Sénégal où je suis en train d'implanter un peu partout en Afrique. Depuis que j'ai compris comment gagner de l'argent sur Internet, je ne suis plus sur les multiservices, mais je suis comme ça. Pratiquement sur ces deux dernières années, c'est rare que je fais un mois complet au Sénégal. Et mes business tournent. Et c'est ce que je vous souhaite. Et nous allons voir ce que je fais pour faire ça. Là, c'était Istanbul, à Dubaï, etc. Beaucoup de médias en parlent aujourd'hui. Au Sénégal, il n'y a pas pratiquement une télé qui ne m'a pas invité pour parler de la crypto, de parler de l'économie numérique, gagner de l'argent sur Internet, etc. etc. Même les médias internationaux. J'ai commencé aussi à partager mon expérience parce que je vois que ça marche plus ou moins. Je fais des conférences. Ça, c'était à Ouagadougou. Ça, c'était à Abidjan, au milieu. Là, c'était à Dakar. Je fais des conférences partout et des milliers de personnes viennent assister à ces conférences, à ces séminaires. Moi-même, personnellement, souvent, je me pose la question. Comment ça s'est passé?
mais je me suis lancé sur quelque chose, sur un secteur d'activité un peu méconnu par la majorité. C'est normal, quand tu as quelque chose à vendre dans ce secteur d'activité, il y aura beaucoup de personnes. Et c'est le bon moment aujourd'hui pour entrer sur le marché. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, la crypto-monnaie, avant, c'était des jeunes qui sont passionnés. Avant, c'était des particuliers. Avant, c'était des banques qui se cassent quelque part pour se lancer. Aujourd'hui, on a le signal que les autorités vont entrer dans cette danse. Vous le voyez là, récemment avec Salvador qui a accepté les crypto-monnaies comme monnaie d'échange. Récemment, Afrique centrale comme monnaie d'échange. Entre avant-hier et hier, je pense que vous avez eu tous les informations. Le PDG de Binance, avant même de parler, voilà, le PDG de Binance qui est rendu visite à Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ma président Macky Sall du Sénégal, pour discuter sur comment, en tout cas, je ne dirais pas accepter ou bien légaliser les cryptos, mais en tout cas, vous avez que ce n'est pas du tout hasard si c'est responsable, se déplace pour voir les autorités. Mais avant ces gens, vous voyez Cristiano Ronaldo entrer sur la danse avec ses NFT, avec la collaboration avec Binance. Vous voyez Khaby Lame. Pourquoi ces personnes, c'est important? Parce que ce sont les personnes, Cristiano Ronaldo, c'est l'homme le plus suivi au monde. Khaby Lame, c'est l'homme le plus suivi sur TikTok. Et il a fait même des vidéos, c'est pas du blabla, allez visiter après, vous pouvez checker pour voir. Donc, c'est très important. Et quand tu comprends ça, actuellement, moi, récemment, partout que je vais depuis ces deux dernières années, je dis les gens, quelqu'un qui a eu la chance de découvrir la crypto-monnaie aujourd'hui, tu peux te considérer comme l'enfant béni du 21e siècle. Bien sûr, si tu sais saisir ces opportunités. Il ne faut pas avoir l'idée d'entrer sur la crypto aujourd'hui et faire des milliards ou des millions aujourd'hui. Mes chers amis, peu importe vos résultats d'aujourd'hui, ce sont vos actions de hier. Vos résultats de demain seront aussi vos actions d'aujourd'hui. Donc, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est pour avoir des résultats de demain. Les gens qui me voient sur les médias sociaux ou bien voilà, les gens avec qui je travaille, les résultats qu'on a aujourd'hui, ce sont nos actions de 2021. Nous, nos résultats, les actions qu'on est en train de mener aujourd'hui, moi personnellement et mon équipe, et des gens, et les gens que je suis en train d'accompagner en coaching individuel, c'est des actions qui vont produire des résultats pour l'année prochaine. C'est ça aussi l'économie numérique, surtout de la crypto-monnaie. Donc, il y a des phases à respecter. Quelqu'un qui entre sur le net aujourd'hui, pour se faire de l'argent aujourd'hui, tu ne vas rien gagner. C'est pourquoi tu vois des gens qui vont entrer sur WhatsApp, sur Facebook, pour bombarder les gens avec des bouteilles d'eau, avec je vends, personne ne va pas acheter. S'il y a première leçon que vous devez noter aujourd'hui, les gens ne vous suivent pas sur Internet pour acheter. Personne. Est-ce que vous me suivez sur Internet pour acheter quelque chose? Est-ce que vous suivez les gens que vous êtes en train de suivre sur Internet pour acheter? Non. On suit les gens pour des conseils qu'ils donnent. On suit les gens par leur expérience qu'ils partagent. On suit les gens par des accompagnements qu'ils font sur le net. Et à partir de là, on trouve au moyen de vendre quelque chose. Ne viens plus sur Internet enlevé. C'est-à-dire que première leçon que vous devez noter aujourd'hui, les gens ne sont pas sur le net pour acheter. Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour se distraire, ils sont là pour autre chose. Arrêtez de mettre dans vos statuts tous les jours, je vends des livres, je vends téléphone, je vends nanani nanana, je vends ça. Vous n'allez jamais vendre. Je vais vous dire comment vous devez vous procéder à partir d'aujourd'hui, en prenant deux personnes qui ont des produits, et je vous dis, si moi vous me donnez ces produits-là, à partir d'aujourd'hui, comment je vais faire pour commencer à commercialiser ces produits. Donc, après tout ça, mes amis, notez, fixez vos objectifs maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à gagner 1 million par mois sur Internet, notez vos objectifs, c'est de gagner 1 million par mois. C'est possible, notez ça. Pour ceux et celles qui ont dépassé la barre de 1 million, arrêtez de penser que si vous dépassez 1 million, c'est la fin du monde. Les gens gagnent des millions par minute, par seconde. Ils sont juste des êtres humains comme vous. Ce qui vous différencie avec ces gens-là, c'est leurs objectifs. La magie de voir grand. Vous n'avez pas de limite, mais vous fixez des limites vous-même.
Vous avez 1 million, vous n'avez pas encore commencé à gagner 1 million par mois. C'est possible, mes amis. Dans les 3 prochains mois, si vous n'avez pas arrivé à gagner 1 million par mois, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à gagner 1 million par mois, parce qu'on n'a rien à dire, vous n'avez rien à encore. Si on dépasse la barre de 1 million, élevez la barre, allez sur 10 millions. Moi, j'ai rencontré des jeunes de... Voilà, on peut donner le mot. Est-ce qu'on peut tourner le micro, s'il vous plaît? Alors, il faut dire à nos messieurs, on peut son micro. Non, nous avons même des crédits. Lundi. Est-ce que je vous avais la possibilité de couper? Mardi. Mardi, hein. Oui, aussi. S'il vous plaît, monsieur Sec, vous pouvez seulement désactiver les micros des participants à la fin, vous réactivez, s'il vous plaît, sinon les gens vont déranger toujours. Parce qu'il faut désactiver pour tout le monde là. Ils sont en train de nous déconcentrer. Super, super. Je vais essayer de faire ça. Je pense que c'est bon. Voilà. Je disais que vous pouvez fixer des objectifs. Moi, j'ai rencontré des jeunes vraiment, des jeunes de 15 ans, 20 ans qui font plus de 1 million. C'est pourquoi aussi c'est très important souvent de sortir. Quand tu sors, ça te permet de comprendre que toi, tu étais limité. Ce n'est pas parce que tu es limité, mais tu avais mis des limites dans ton chemin entrepreneurial. Donc, sur Internet, gagner 1 million par mois, c'est absolument rien. Souvent même, je fais une seule transaction qui me permet de gagner 1 million, une seule transaction sur les reventes de la crypto-monnaie. Souvent, vendre uniquement... crypto-monnaie, une seule transaction, je fais 1 million. Je vais vous montrer comment vous allez faire tout ça. Pour ceux qui ont dépassé 1 million, fixez la barre sur 10 millions. Ainsi de suite. Ce qui m'a poussé de se lancer aujourd'hui sur beaucoup de business, c'est ça. Pour ceux qui me suivent, j'ai lancé une ferme agriculture. Je produis plus de 5 000 poulets par mois. Je lance d'autres business. Parce qu'on n'a pas de limite. C'est à nous-mêmes de se fixer ces limites-là. Fixons nos objectifs, mes amis. Notez noir sur blanc et vous mettez ça dans votre mire. Chaque jour, vous allez le voir. Moi, je dois gagner 1 million par mois. Tant que tu n'as pas arrivé à cette somme-là, tu sais que tu ne dois pas dormir tranquillement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être en Afrique là où tout est à faire ou à refaire. Il y a quelque chose à faire. L'Afrique, c'est le continent le plus prospère aujourd'hui. Il y a plus d'opportunités, plus de moyens de gagner de l'argent. Plus même qu'ailleurs. C'est-à-dire que partout, il y a des business à faire, partout. Il suffit juste d'être dans le bon cercle. C'est très important et capital. C'est très important et capital. C'est pourquoi partout, je mets le club entreprendre autrement. J'insiste sur le club entreprendre autrement, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar. Parce que quand vous êtes avec des fumeurs, vous deviendrez un fumeur. Quand vous êtes avec des gens qui gagnent de l'argent, vous gagnez de l'argent. Cette contamination, c'est vrai. Moi, je vois aujourd'hui pratiquement tous les membres de Vision d'Afrique. Leur seul objectif, c'est d'acheter des voitures. Ça, c'est rien pour eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la contamination. J'ai assez d'autres personnes, assez. C'est normal. Donc, pourquoi pas lui? Pourquoi? Si vous êtes avec des gens qui parlent que de 1000 francs, allez boire du thé, allez dans les maquis, vous deviendrez comme ces genres de personnes. On doit être des personnes qui vont changer le continent. C'est possible. Ce n'est pas le président qui va le faire. Donc, j'espère que vous avez déjà fixé vos objectifs. Si vous voulez même plus que c'est plus. Moi-même, je vous limite. Moi-même, je vous limite déjà. Mais il y a des étapes, il y a des process. J'ai assisté dans une conférence. Le conférencier nous a donné chacun un bout de papier pour dire, notez ce que vous avez besoin et vous me donnez les papiers et votre nom. Chacun, un bout de papier comme ça, tu vas noter ton nom et c'est combien que tu as besoin cette année. Combien? Tu sais, il y a des gens même qui ont mis 100 000. Il y a des gens même qui ont mis 1 million. Il y a des gens même qui ont mis, voilà, moi, si je peux avoir 50 000, ainsi de suite. C'est à partir de là, on sait qui va devenir quoi dans cette ère. C'est à partir de là, à la fin de cette conférence, le conférencier, il choisit les gens qui ont mis des milliards pour leur dire qu'on va faire des affaires. Parce qu'il sait que c'est des gens qui vont aller plus loin. Ils ont besoin juste d'un petit étincelle pour aller. Mais tu ne peux pas dire que moi, j'ai des ambitions de gagner 50 000 et ensuite, tu espères avoir 1 million. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
C'est pourquoi je dis, n'ayez pas peur. Si ton rêve ne te fait pas peur, alors tu fais juste un cauchemar. C'est des rêves. Ton rêve doit... Si quelqu'un dit, lui, il dit, nanani, nanana, c'est à partir de là que tu sais que tu es sur la bonne voie. Tu ne te permets plus de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que à chaque fois que tu rencontres tes amis, tes frères, tes soeurs, et vous leur dites, ah, moi, j'ai envie de faire ceci, cela, j'ai envie de faire ceci, nanani, nanana, et ces personnes-là vous disent brusquement, moi, n'y pense même pas. Toi, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Parce que tu ne te permets plus de faire ce qu'ils font. Et quand tu ne fais pas ce qu'ils font, tu n'auras pas les mêmes résultats. Ce n'est pas moi qui le dis dans cette terre. Moi, je n'invente rien. Tout ce que j'ai en train de vous dire, ne pensez pas que oui, je n'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui existent. C'est Albert Einstein qui dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose, espérant avoir des résultats différents. Si tu fais la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Je ne vous dirai pas d'abandonner, mais vous changez de méthode. Première partie, ce qu'il vous faut pour gagner de l'argent sur Internet, c'est des produits, services, expériences, compétences, talents, etc. Vous avez un produit à vendre, vous avez votre place sur Internet. Arrêtez de penser que c'est dans votre quartier, dans votre commune, dans votre pays, que vous allez rester avec votre produit pour être riche. Ce n'est pas possible, c'est limité. Mettez ça sur Internet, vous touchez le monde entier. Imaginez. Là, si moi j'étais là, oui, je suis expert en crypto-monnaie, oui, nanani, nanana, je gagne 1 million, 2 millions par mois, je suis au Sénégal, est-ce que j'aurais l'occasion de partager avec vous tous? Si c'était au Sénégal, tout simplement. Mais comprendre l'importance d'aller partout dans le monde qui nous permet de faire quoi? De toucher le monde entier. Les gens se connectent en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, partout, Douala. C'est possible. C'est parce qu'on a internationalisé. Donc, vous avez un produit, service, expérience, talent. Vous avez votre place sur cette formation et sur Internet. Je prends juste une seule personne ou deux personnes qui ont un produit à vendre pour vous donner un exemple. Parce que le cours, ce n'est pas une cour de vente. C'est comment gagner. Moi, j'ai développé une formation complète sur comment vendre et tout. Mais je prends juste pour ne pas inventer. Quelqu'un peut me dire, voilà, moi, je vends tel produit. Parce que je te dis deux choses qu'il te faut. Deux choses qu'il te faut. Désormais, comment tu vas vendre tes produits? Ces exemples vont, ce sera vraiment général pour toutes les personnes qui vont utiliser, qui vont vendre des produits. Ils vont savoir que voilà, c'est les mêmes stratégies que je dois commencer à utiliser. Je prends deux personnes. Tu as levé la main, demande. Je pense que j'ai activé ton micro pour ceux qui ont levé la main. Alors, Rumba, je pense que ton micro est activé. Est-ce que tu peux parler? Si tu as un micro. Ok, je suis... Et merci pour la parole. D'accord. Et je vends les produits de télécommunication. Les bonus, les mégas. Télécommunication. Télécommunication, tu comprends, télécommunication, c'est des matériels électroniques. Ah oui, oui. Et comment? Je vends les crypto-monnaies aussi. Super, très bien. Voilà. Toi, sur ces deux maîtres, je te donne des conseils que tu vas suivre. Télécommunication et crypto-monnaie. Tu vends des télévisions, des ordinateurs? Pas encore. Dans télécommunication, tu vends quoi comme produit? Donne-moi juste un exemple. Les unités et les mégas qui permettent de suivre, par exemple, les conférences comme ça. Les mégas de connexion. OK. Voilà. OK, les unités et tout ça, ça c'est très, très bien. Ça, c'est plus ou moins des services, voilà. Et des crypto-monnaies et tout. Crypto-monnaies aussi.
Ok, c'est super. Toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire des traits, qui trace sur l'écran, c'est qui? Ah. Ok. La méthode, la meilleure méthode, il ne faut plus. Comment tu pars, tu fais à partager tes informations avec les gens sur Internet? Bon, sur Internet, c'est généralement sur Facebook. Je partage ça en statut. Et même que WhatsApp, les amis, les contacts, simplement seulement que je touche et le voisinage aussi. Non, c'est pas Internet ici. Je n'ai pas fait ça en international d'abord, quoi. Comme le réseau, c'est le réseau Burkina. C'est les trois réseaux qui sont opérationnels ici au Burkina. Donc, ce sont ces unités que je vois. D'accord, c'est très bien. On va, bon, je ne sais pas qui est en train d'écrire sur l'écran, je ne sais pas comment ça s'est fait, comment enlever, mais s'il y a quelqu'un qui fait ça, s'il peut arrêter, s'il te plaît. OK. Quand tu vois des trucs comme ça, ça, c'est des services. Ça, c'est des services. Hein, c'est des services que tu proposes. Quand tu es sur WhatsApp ou Facebook, tu partages, que tu vois des cryptos, les gens ne vont pas acheter. La meilleure manière que tu peux faire pour vendre tes crypto-monnaies, tes unités, c'est de donner des conseils. Il faut attirer l'attention des gens que toi, voilà, la manière dont vous devez attirer leur attention, ce n'est pas de vouloir leur vendre quelque chose, mais c'est juste pour leur permettre d'avoir des bonnes informations. Ah, aujourd'hui, il y a telle personne. C'est-à-dire que faire de telle sorte que la personne qui va commencer à te suivre, il ne va pas te suivre pour acheter, mais il va te suivre pour quoi? Il va te suivre pour les conseils ou les expériences que tu partages. C'est la meilleure manière. Quand tu vends quelque chose, ne viens pas. Voilà. En tout cas, donner des conseils, donner de la gratuité aussi. La gratuité, c'est devenir les conseils que vous donnez. Exemple, ça, c'est du gratuit. Hein? Donner des informations, dire que la crypto-monnaie, c'est-à-dire que faire de telle sorte que quand je vous suis, je n'ai pas l'intention de venir pour acheter quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment pour vendre sur Internet. Quelqu'un qui vend cette bouteille d'eau, s'il vient partager sur Internet, je vends des bouteilles d'eau, il ne va pas vendre. Mais la meilleure manière, c'est de dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui buvent de l'eau qui n'est pas bonne pour la santé. C'est-à-dire que tu donnes l'attention, la personne, pour attirer son attention, il faut lui dire que c'est très dangereux de boire certaines eaux. Aujourd'hui, un eau sans filtrer, nanani, nanana, expliquer les dangers de ne pas boire un bon eau filtrée, etc., etc. Quand vous expliquez, moi qui passe directement sur la vidéo, j'attends pour voir quel genre de l'eau qu'il faut boire. Parce que ça, ce n'est pas bon à boire. Et à la fin, vous dites, voilà, c'est exactement. Demain aussi, je viens pour vous dire, si vous voulez, comment on doit filtrer l'eau, ainsi de suite. Comment vous allez savoir que l'eau est bien filtrée, etc. Ainsi de suite. Et c'est pourquoi même moi-même, j'ai décidé de proposer, parce que je vois que beaucoup de personnes boivent de mauvaise qualité de l'eau. Je propose. C'est ça la logique qu'il faut suivre. Tu vois, s'il y a une fille, ou bien je prends encore les matériels électroniques, quelqu'un qui vend des téléphones portables, s'il y a quelqu'un qui vend des téléphones portables sur Internet, tu veux gagner des clients, ne parle jamais d'acheter ou de vendre téléphone portable. Commencez à donner des conseils. Voici si vous voulez acheter un iPhone, voici ce qu'il faut éviter pour être arnaqué. Voici, parce que sur les iPhones, il y a qualité 1, il y a qualité 2, mais malheureusement, les gens qui achètent ne savent pas distinguer le bon et le mauvais qualité. Maintenant, pour acheter, désormais, fais ça. Une vidéo de 1 minute. Demain, tu dis, voilà. Hier, je vous avais parlé de comment éviter les arnaques sur les iPhones, sur les téléphones. Si vous voulez acheter maintenant, vous-même, vous pouvez regarder, est-ce que c'est bon si vous tapez tel code. Automatiquement, tu ramasses des mondes, des personnes qui vont vous suivre. Et ces personnes-là, chaque personne qui décide maintenant un jour d'acheter un téléphone, il passe directement à vous. Même s'il y a quelqu'un qui va acheter, il dit non, allez, telle personne, il maîtrise la chose. Sur Internet, on a besoin de tester vos compétences d'abord avant d'acheter. Quelqu'un qui vend des cheveux naturels pour les filles, je donne encore un exemple pour les filles, les femmes. Vous vendez des cheveux naturels, vous vendez des sacs. Hein? Vous vendez vous vendez des cheveux naturels. Arrêtez de partager des cheveux naturels, nanani, nanana, cheveux naturels. Ce n'est pas quoi, là. Les gens ne vont pas acheter. Commencez à dire, vous savez,
Quand il y a un cheveu, s'il n'est pas fait ça, ce n'est pas une bonne qualité. Vous savez, c'est-à-dire que la logique, c'est toujours de l'utiliser de la même manière. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... Toujours, c'est la même chronologie qu'il faut utiliser. Si vous maîtrisez ça, mes amis, sur Internet, moi, il y a des personnes que j'ai coursées sur les ventes en ligne. Actuellement, ils me disent que non, des filles, c'est des filles qui vendaient des foulards comme ça. Je leur explique la méthodologie qu'il faut utiliser pour vendre des foulards. Aujourd'hui, il me dit que je n'arrive plus à satisfaire la demande. Parce que je lui dis, arrêtez, elle a l'habitude de venir mettre dans ses statuts des foulards, des femmes voilées, des trucs comme ça. Il n'y a pas de client. Elle m'a dit qu'elle va utiliser notre plateforme cnmarché.com pour vendre ses foulards parce que sur le statut, ça ne marche pas. Elle commence, elle me dit qu'à plus ou moins, ça ne marche pas. Je lui dis, comment tu vends? Il m'a expliqué, oui, je partage sur Facebook, oui, je partage sur YouTube. Tu dis que les gens ne te suivent pas pour ça. Lorsque je lui dis, toi, ça te voit très bien parce que c'est une femme qui a l'habitude de porter des foulards et tout ça. Je lui dis, désormais, ce que tu vas faire, tu vas te voiler toi-même et tu vas te filmer toi-même et tu parles, voilà, si tu t'habilles. Aujourd'hui, je lui donne juste le storytelling parce que c'est très important de maîtriser le storytelling. C'est pourquoi la lecture est importante. Ça permet d'avoir plus ou moins une culture générale. Tu dis, aujourd'hui, j'étais dans le bus. Mais malheureusement, j'ai vu une fille, il y a une femme qui s'est habillée en noir et met encore foulard noir. Ça ne se fait pas. Comment il faut s'habiller? C'est pourquoi je décide de vous expliquer. Si vous vous habillez en noir, voici ça, quel genre de foulard qu'il faut mettre. C'est-à-dire que c'est ça le chronologie. Quand tu fais ça, 4 vidéos, 5 vidéos, c'est parti. Tout le monde te dit, ah vraiment, c'est bien. Vraiment, tu crées une communauté, les gens commencent à acheter. C'est ça vraiment, si vous avez des produits, les étapes à respecter pour vendre sur Internet. C'est très important. Et c'est idem pour les services. On vend des services, des formations. Est-ce que je vais venir vous dire, achetez formation. Qui va acheter? Est-ce que vous nous suivez sur YouTube pour acheter? Non. Est-ce qu'on vous a demandé d'acheter sur YouTube? Non. On vous donne nos expériences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous permet d'avoir les informations en temps réel. Aujourd'hui, j'ai fait même une vidéo sur YouTube pour expliquer comment gagner $50 par jour sur YouTube, sur Binance. Et cette vidéo, le titre, c'est comment gagner $50. Mais l'objectif de la vidéo, j'ai réussi l'objectif parce que c'était de permettre les gens qui vont suivre la vidéo de comprendre s'ils veulent faire le trading journalier, là où cliquer, clique ici pour partage d'expérience, avec partage de mon écran. Pour dire quoi? Les gens vont vous suivre sur Internet pour acheter vos produits, vos services par rapport à des conseils, des stratégies que vous le partagez gratuitement. Arrêtez de mettre vos téléphones, vos ordinateurs, vos nanani, nanana, partout, achetez. On n'achète pas vos produits comme ça. Voilà. Je pense qu'à la fin, je vais vous offrir ma formation sur les techniques de vente même. Moi, je ne sais pas. Est-ce que je ne vais pas quitter le Zoom et revenir encore parce que c'est écriture me dérange quoi. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer ici. Je fais comme ça, arrête le partage. Je repartage. Voilà. Là, pour vendre sur Internet, vous avez besoin de ces éléments, mes amis. Landing page, c'est-à-dire que là où vous allez capter vos internautes, là où vous allez attirer leur attention, arrêtez de vendre sur Internet. Voici les étapes à suivre. Première étape, c'est d'attirer l'attention. Je pense que j'ai fait petite capture pour même ça, pour développer ça. Mais vous avez besoin, là où vous orientez vos clients, vos prospects. On ne cherche pas des clients sur Internet, on cherche des prospects. Si vous êtes convaincu de vos produits, c'est à partir de là que les clients vont acheter eux-mêmes. On cherche des internautes. Attirer leurs attentions. Passe de capture. Notez, passe de capture de emailing. Passe de capture. Il n'y a pas un professionnel de la vente en ligne qui fait, peu importe le business que tu fais, trouve un moyen pour capturer les personnes qui vont vous découvrir. Si vous allez, vous pensez que qu'est-ce qui a fait que Facebook, Mark Zuckerberg est milliardaire aujourd'hui, vous pensez que c'est uniquement parce que les gens payent les publicités? Non, parce qu'il a nos données, nous tous. Le jour où vous avez, celui qui a plus de données, il a plus de possibilités de réussir sur Internet. Notez ça, celui qui a plus de données a plus de possibilités de réussir sur Internet. La page
de contenu gratuit, la passe de capture. Je vous donne juste un exemple. Comme je l'ai dit, tout ce que je vous dis, ce n'est pas parce que le gars, il invente. Non. Vous tous qui sont là, la première chose qu'on vous demande pour participer à cette live, même si c'est gratuit, c'est quoi? Même sur YouTube, lorsque je fais la vidéo, je dis, c'est gratuit. Mais pour participer, l'inscription, elle est obligatoire. Vous envoyez nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, email. C'est ça la capture. Vous devez trouver un moyen de capturer. Arrêtez de penser que quelqu'un qui entre aujourd'hui va acheter. Non. Vous entrez aujourd'hui, on vous fait la capture et on y va. Anyway, peut-être c'est 2024, peut-être c'est 2025. Si nos produits vous conviennent, vous allez acheter du jour au lendemain. Si aujourd'hui, avant la fin, vous êtes convaincu, vous allez acheter. Mais l'objectif, on vous a pas appelé ici pour que vous achetiez. Mais on a fait la capture. Un mauvais businessman, ça se voit. Vous êtes un mauvais businessman, je rentre dans votre boutique et toutes les personnes qui sont là, peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, si quelqu'un achète désormais chez toi et vous ne connaissez plus cette personne-là, dites-toi que tu es le plus mauvais vendeur. Tu ne mérites pas de faire ma formation. Trouvez un moyen. Je vous raconte comment je faisais mes captures dans mes multi-services. Lorsque j'étais plus petit, c'était vers 2016-2017, j'avais mes multi-services. Mais pour faire la capture, pour trouver un moyen pour capturer, c'était même pas en ligne, je mets un bloc-notes, un grand bloc comme ça. Je mets nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, sous-section. Si quelqu'un vient acheter dans mon multi-service quelque chose, avant la fin, si tu achètes une bouteille d'eau, je te dis, allô papa ou grand, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, merci d'avoir acheté. Nous, on est là pour vous. Est-ce que tu peux nous suggérer quelque chose à ajouter ou à améliorer dans notre boutique, etc. C'est ça la piège. La personne, il voit faire des sous-sections, de nous suggérer quelque chose, ajouter tant ou éliminer tant ou tant. Mais quand tu entres sur le cahier pour écrire sur la sous-section, tu vois sur la page nom, prénom, téléphone, email. Quand tu mets nom, prénom, téléphone, email et tu nous suggères quelque chose, ce que tu nous as suggéré, c'est important. Mais le plus important, c'est les informations que tu viens de me laisser. À la fin de la semaine, il y a une vingtaine, cinquantaine de personnes qu'on a déjà capturées. Je leur envoie un message regroupé. Bonjour, merci d'avoir passé à Vision d'Afrique. Merci pour votre suggestion. Vision d'Afrique, c'est votre vision d'Afrique. La personne va dire, tiens, moi j'ai l'habitude d'acheter, on ne m'a jamais envoyé ça. Ah lui, il est bien. Demain même, c'est la personne qui m'appelle. Allô, comment tu vas, Vision d'Afrique? Je dis, c'est qui? Comme j'ai l'habitude de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent comme ça, je dis, c'est qui? Je me dis, non, j'ai passé dans votre boutique la semaine dernière. Ah, ok, d'accord, oui, grand, comment tu vas? Je ne connais même pas la personne parce que j'ai envoyé un message de groupe. L'objectif, que la personne revient. La personne revient, c'est ça. Je vais vous dire même ça, comment le faire. Donc, ce qu'il vous faut, c'est ça. Landing page, page de contenu gratuit, que ce soit c'est votre statut, c'est votre page Facebook, c'est votre YouTube. Arrêtez de vendre dans ces pages-là. Ce n'est pas fait pour vendre. C'est pour attirer les gens. C'est pour donner des conseils, c'est pour partager. Ensuite, trouver un moyen maintenant pour faire la capture de ces pages. Une fois tout est OK maintenant, c'est à partir de là que tu peux faire un pass de vente, bon d'achat, nanana, remercier le client, le suivi. Ça, c'est le développement. Je vais passer parce que voilà, le temps passe, on a beaucoup de choses à partager. Donc je l'ai développé sur la formation, comment vendre. Qui sont vos clients, mes amis? Ça, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes séminaires, le savent. Le piège qu'un vendeur peut tomber sur, c'est ça. Qui sont vos clients? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas ouvrir les micros pour vous poser la question, qui sont vos clients? Mais je suis sûr que beaucoup de personnes, quand je leur dis qui sont vos clients, automatiquement, ils pensent les gens qui achètent leur produit. Quand je dis quelqu'un qui vend des... cheveux naturels, exemple, je prends l'exemple des femmes. Quand je dis qui sont vos clients, automatiquement, ils commencent à penser, oui, les femmes d'âge de 7, de 15, de 20 ans, nanani, nanana. Je dis, les gens qui vendent des téléphones, qui sont vos clients? Ils vont me dire, oui, c'est les jeunes. Non, ça, c'est le piège sur lequel que vous pouvez tomber. C'est ça, on vous pose, qui sont vos clients? Et vous dites, c'est telle ou telle personne. C'est telle ou telle personne.
Moi, en tant qu'Amadou Seck, si on me demande qui sont vos clients, c'est dit tout le monde. Tout le monde est client. Vous vendez des cheveux naturels, les hommes, les femmes, les jeunes, les mamies, tout le monde est client. Quand vous considérez tout le monde comme client, c'est bon, c'est parti. Pourquoi tout le monde est client? Je dis tout le monde est client. Et moi, je déteste même les clients qui sont prêts à acheter. Les clients qui sont prêts à acheter représentent que 5% du marché. Donc, il n'y a que 5% de la population qui sont prêts, sur les clients qui sont prêts à acheter aujourd'hui. Je veux acheter. Mais il y a 30% qui restent, qui sont des clients, mais qui ne sont pas prêts. Peut-être qu'ils n'ont pas de l'argent aujourd'hui. Je donne juste exemple. J'ai iPhone 7. Hein? Exemple. J'ai iPhone 7. Je sais que je veux aller iPhone 11. Mais là, je n'ai pas les moyens. Donc, je suis client, mais je ne suis pas encore prêt. Je suis client, mais je ne suis pas encore prêt. Donc, ça c'est les 30%. Les 5%, ce sont les personnes qui sont prêtes aujourd'hui. Ils n'ont pas de téléphone ou bien ils ont reçu l'argent aujourd'hui. Il y a 65% qui restent, qui sont des clients, mais inconsciemment, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin. Exemple, si c'est ce téléphone 7 Plus et j'ai besoin d'aller sur ce 11, là, je suis client, consciente que je suis client, mais je ne suis pas encore prêt. Mais par contre, si j'ai aussi 11 et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai 11, je pense que je n'ai plus de client parce que je n'ai pas besoin de changer. C'est toi en tant que client, en tant que vendeur qui va préparer cette personne. Il est client inconsciemment. Supposons si moi je ne peux pas vivre sans téléphone aujourd'hui. Je sors ici, je me suis fait agresser, je perds mon téléphone, je deviens client urgent. Je sors, je perds mon téléphone, je ne sais pas, anyway, je dois acheter. Si vous n'avez pas préparé ces personnes-là, vous n'allez pas leur vendre. Donc, 90%, est-ce que toutes les personnes qui sont dans cette salle, vous m'avez découvert aujourd'hui? Non. Certaines personnes disaient que moi, je ne connais pas la crypto, ça ne m'intéresse pas. Mon rôle, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont intéressés inconsciemment. Comment je vais leur rappeler? Pourquoi la crypto-monnaie ne vous intéresse pas? Vous ne voulez pas gagner de l'argent? Pourquoi la crypto-monnaie ne vous intéresse pas? Vous ne savez pas que le monde tend vers cet univers? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on peut préparer quelqu'un pour qu'il... C'est-à-dire que... Je vais aller sur l'autre slide, vous allez mieux comprendre. Voilà, quand vous maîtrisez, en tout cas, c'est... Quand vous... Une fois comprendre, prendre conscience qu'aujourd'hui, tout le monde est votre client, ça va être beaucoup plus facile. Pour vendre un exemple parfait, on n'a plus besoin de se voir, on a besoin juste de ça. Internet, moyen de paiement. Internet, moyen de vendre. Voici ce qui va me permettre de boucler la partie vente, parce qu'on n'est pas là pour parler de la vente, mais c'est important parce que si vous êtes sur Internet, peu importe ce que vous faites, c'est pour vendre quelque chose. Même formation, produit, service, ainsi de suite. Même vos talents, vous êtes là pour le vendre. Mais ce processus, Seigneur, j'ai juste broché un peu quand même sur les méthodes pour vendre. Voici les étapes à suivre. Cette étape. Première étape, votre objectif, voici sur la phase, c'est là où ils se retrouvent, vos clients, position, vos objectifs, les exemples que vous allez utiliser. Première chose, c'est de capter les personnes qui n'ont jamais vu vos produits, aucun regard, qui n'ont jamais découvert ce que vous faites. Donc, l'objectif, c'est d'attirer leur attention à travers l'affiliation, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Vous tombez sur l'une de mes vidéos, première chose, c'est d'attirer votre attention. Si tu fais partie des personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet, cette vidéo est faite pour vous. Restez scotché jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer de A à Z comment faire pour gagner de l'argent sur Internet. Si toi, tu fais là, c'est attirer l'attention de la personne. Je ne veux pas dire que c'est la seule moyen de le faire. Vous pouvez le faire par texte, vous pouvez le faire par image. Oui, chacun a sa façon de le faire. Dès que l'attention de la personne est attirée, il y a une curiosité qui se crée. C'est-à-dire que vous, quand vous tombez, le jour où vous tombez pour la première fois sur une vidéo que je dis, vous voulez savoir c'est quoi la crypto-monnaie, cette vidéo, je vous explique de A à Z, c'est quoi la crypto-monnaie, comment tu peux faire pour bénéficier des avantages de la crypto-monnaie. Donc, mais ça, c'est après l'intro. Ça, c'est attirer l'attention de la personne. La curiosité qui se crée va lui obliger d'attendre à suivre la vidéo.
À la fin, même souvent, il va aller regarder les autres vidéos que je parle de la crypto. La curiosité. Votre rôle premier pour vendre, mes amis, ce n'est pas de vendre, c'est d'atterrir la station. Deuxième, c'est de créer la curiosité. Une fois que la curiosité est créée, tu peux engager la personne. La personne est engagée. Pourquoi il est engagé? Parce qu'il y a des valeurs que tu lui proposes. Dans cette scène, je dis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est vraiment, c'est pas du tout hasard, c'est pour vous expliquer de A à Z, nanani, nanana. La personne, il y a une curiosité, il reste maintenant pour aller plus loin. Je commence à parler, c'est intéressant, la personne est engagée. Donc maintenant, dans cette scène, je partage deux contenus par semaine. Et voilà, les audits, nanani, nanana, pour ne pas rater les prochaines publications, abonnez-vous. La personne, la valeur. C'est à partir de là qu'on peut aller maintenant sur les contacts. Troisième étape, capture. La personne, si tu es intéressé, écris-moi. Si vous remarquez, pour ceux qui font des commentaires sur mes vidéos, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, quand vous posez une question, on vous envoie un message. C'est Babacar, c'est moi qui l'a dit de faire ça. Il vous envoie directement un message pour dire, voilà, pour vous répondre à tout ça, écris-moi sur WhatsApp, sur ce numéro. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà préparées. Donc, à partir de là, contact est créé, vous proposez maintenant des offres. Et la personne maintenant, il y a des étapes à suivre. Les gens ne tous connaissent pas aujourd'hui sur Internet et achètent aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a ces étapes qu'il faut respecter. À partir de là, la personne achète. Dès que la personne achète, c'est la première transaction, tu continues ton travail. Mauvais vendeur, j'ai dit tout à l'heure, mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui vend quelque chose. Qui vend quelqu'un et voilà, c'est fini, tu ne connais plus la personne. C'est encore pire de vendre quelqu'un, en tout cas, sans avoir resté en contact avec la personne, parce que tu dois accompagner la personne pour que la personne devienne fan de ce que vous faites, ambassadeur de ce que vous faites, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très, très important, mes amis, de comprendre ça. C'est important, c'est capital, c'est primordial. Il n'y a pas, vous savez, pour gagner de l'argent sur Internet, il n'y a pas 90 000 options. Il n'y a pas de courir derrière l'argent. Tu vois, je donne juste un exemple. SEC, il gagne de l'argent sur Internet. Vous voulez gagner plus que SEC? Ne cherche pas l'argent. Cherche à maîtriser plus que lui ce qu'il fait. Basta. Tu impliques les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, je disais que je vais le partager ici parce que c'est important, mais il fait partie même d'une formation que j'ai développée sur les techniques de vente. Sur les techniques de vente. Une fois maîtrisé ces choses-là, il y a quelque chose de très important, c'est de rentabiliser. Comment augmenter le nombre de vos clients? Comment augmenter le nombre de vos clients? C'est d'augmenter le trafic. Mes amis, si on vous voit dans votre quartier, il faut aller sur WhatsApp aussi pour augmenter la possibilité que les gens te découvrent ailleurs. Comment je fais pour augmenter le nombre de mes clients? On me voit au Sénégal, je pars à Ouaga. On me voit à Ouaga, je pars à Abidjan. On me voit à Abidjan avec mes business, je pars ailleurs. On me voit sur Facebook, je pars sur TikTok. On me voit sur TikTok, c'est-à-dire que élargir le trafic. On te voit dans ton bureau, créer des flyers. On te voit dans votre quartier, aller dans les écoles pour parler de ce que vous faites. La meilleure manière d'augmenter les clients, c'est ça, c'est d'augmenter le trafic. Deuxième chose qui est importante en business en ligne, c'est d'augmenter le panier d'achat du client. Mes amis, si vous allez dans les supermarchés, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les supermarchés, si vous risquez d'aller, si vous partez dans ces supermarchés avec l'argent que vous ne pouvez, comment dire même, si vous avez l'intention en tout cas d'acheter une seule chose et vous faites le coup de partir avec plus d'argent, vous revenez avec plus de choses que prévu, des choses que vous n'avez même pas besoin lorsque vous partez. C'est déjà calculé, c'est ça qu'on appelle augmenter le panier du client. Quand tu pars à X supermarché, parce que les boutiquiers, ils ne sont pas ces techniques de vente, c'est pourquoi ils ne vont pas le faire. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'information. Si vous allez au supermarché pour acheter stylo, là où on va ranger stylo, c'est là où on va ranger marqueur, c'est là où on va ranger crayon, c'est là où on va ranger tous les choses similaires avec stylo, tu es obligé d'acheter stylo, acheter d'autres choses. Si vous allez là où on range, si vous voulez acheter fromage, les mêmes sérieux qu'on met, les mêmes rayons qu'on met fromage, c'est les mêmes rayons qu'on met beurre, chocolat, nanani, nanana, nanana.
quand tu viens, une femme qui vient acheter beurre pour la famille dit, ah, mais pourtant, monsieur, il préfère chocolat. J'achète encore chocolat. Ah, pourtant, Abdouma, le plus petit à la famille, il préfère fromage. Tu t'es venu pour acheter beurre, mais tu es parti avec beurre, chocolat, fromage, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire dans vos business. Tout ce que tu vends, tu peux trouver les sauces qui vont ensemble et tu le vends. Je donne exemple pour vous dire que tout ce que je vous dis, c'est des sauces que j'ai pratiquées. Hein? Ce n'est pas des inventions. Quand tu vis à Vision d'Afrique, tu fais une formation en crypto-monnaie, 250 000, 300 000, etc. Tu termines, on te dit, tu veux acheter ou vendre des cryptos, tu viens ici. On te vend, on t'achète tes cryptos. C'est d'augmenter le panier du client. J'ai écrit un livre, La cause de l'échec de la jeunesse africaine. Mais je les mets en. Ça va sortir novembre ou début d'année. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai écrit ça, j'avais encore en train d'écrire l'art du trading de la crypto-monnaie que je voulais sortir 2023. Mais je vois que ça me permet d'augmenter le panier du client. Quelqu'un qui vient pour faire une formation en trading de la crypto-monnaie, cette personne va acheter un livre de la crypto-monnaie. Cette personne va acheter des USDT, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pouvais vous donner plusieurs exemples, mais comme disait l'autre, c'est confidentiel pour Vision d'Afrique. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez le faire. Il suffit juste de me donner votre business. C'est-à-dire qu'il suffit juste de me parler de votre business. Je te donne, je t'explique rapidement comment tu vas faire pour augmenter le panier de tes clients. Rapidement. On n'a pas besoin de 100 000 clients, on a besoin de 100 000 clients. On n'a pas besoin de 100 000 clients, mais on a besoin de 1 000 clients qui achètent plusieurs fois et qui achètent plusieurs choses. Et ça, n'importe quel business que tu peux faire, que tu es en train de faire, je peux vous aider à augmenter le panier de tes clients rapidement. Ça prend même pas une journée. Les gens que j'accompagne en coaching personnalisé, tout ça, c'est ça. Augmenter tes clients, augmenter le panier de tes clients, augmenter le nombre de fois que les clients achètent. Ça aussi, les supermarchés, ils sont forts. Quand je pars dans un supermarché et on me fait ça, je dis très bien, moi j'ai compris, il n'y a pas de problème. Même les gens qui sont dans l'entrée, dans les supermarchés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est les experts qui l'ont dit de faire ça. C'est-à-dire que quand vous allez dans un supermarché, le vizir qui est sur l'entrée, on l'a obligé, quand quelqu'un rentre, la première chose, donne-lui un sario. Le vizir qui te donne le sario, qui te oblige le sario là, il ne sait pas pourquoi il te le donne. Mais celui qui l'a imposé pour qu'il lui donne ce sario là, cette personne veut que tu augmentes le panier. Tu étais venu pour acheter mouchoir, tu achètes 10 mouchoirs, tu achètes d'autres choses. Mais en même temps, les caissières de ces supermarchés partout dans le monde, les experts commerciaux qui sont derrière leur deal, toute personne qui vient acheter, si tu lui dois 700 ou 800, ne lui donne pas de monnaie, écris un bout de papier pour lui dire qu'on vous doit 700. Ils ne sont pas des arnaqueurs, hein, il faut que ça soit clair. Ils ne sont pas des arnaqueurs, mais c'est des stratégies. L'objectif, c'est quoi? Toi qui es venu acheter 20 000, 30 000, on te doit 700 francs, on te donne un bout de papier ou une carte de fidélité marquée 700. L'objectif, c'est de te... Toi, tu ne vas pas revenir. La plupart du temps, tu ne vas pas revenir pour récupérer tes 700. Mais tu reviens pour acheter autre chose et en même temps, tu dis, voilà, vous me devez 700. Ou bien le jour où tu veux acheter encore d'autres choses, même si tu veux aller à la boutique qui est à côté parce que tu veux acheter quelque chose qui coûte 10 000, 5 000, tu dis, mais pourtant le supermarché, il me doit 700. C'est une occasion, je vais partir là-bas. Donc, c'est des techniques, mes amis. Le business, ce n'est pas de venir rentrer comme ça, du business, oui, je fais du business. Non. Il y a des règles à respecter pour s'en sortir. Donc, voilà, ça aussi, c'est un élément très important pour moi et je disais que je vais le partager. Voilà, là, on vient de finir la première partie. Hein? On vient de finir la première partie de la formation. On va entrer sur la deuxième partie qui est la deuxième partie. On n'a même pas encore commencé. Sur la deuxième partie, on va parler de e-commerce, de dropshipping, de freelance, etc. Sur la troisième partie, on va parler de crypto-monnaie. Donc, je prends deux ou trois personnes. On fait comme ça. On fait un souffle comme ça et ensuite, on prend deux personnes. Je laisse vos micros. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas couper les micros directement. Parce que quand je coupe les micros directement, je n'arrive pas à ouvrir les micros comme ça. C'est pourquoi les gens coupent leurs micros eux-mêmes. Quand tu as envie de prendre la parole, tu prends la parole. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez activer vos micros vous-même, je ne sais pas. Je vais essayer. Comment activer plus? Activer la salle d'attente, réactiver les micros.
micro-réactivé eux-mêmes. Voilà, le son. Voilà, là, je pense que chacun peut activer son micro lui-même. Voilà, je pense que c'est possible. Quelqu'un peut activer son micro et voilà, prendre la parole et ensuite on entame la deuxième partie. Wow, vraiment c'est très intéressant. Merci, merci. Vraiment impacté par votre présentation. Et je tiens à informer aussi que ça va être vraiment bénéfique pour moi. Je vais en tirer vraiment profit de ce que vous avez dit. C'est l'objectif, c'est ça l'objectif même. Voilà. J'espère qu'un jour on se verra physiquement. Bientôt, bientôt. Ouais. Bientôt, il n'y a pas de problème. Merci, merci beaucoup. Allô, Gilles, je pense qu'il y a Gilles qui a levé la main. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. J'enlève ça pour deuxième partie même. J'ai allumé la clim, mais il fait chaud. Je ne sais pas pourquoi. Allô, madame. Oui, très bien même. Wow. C'est vraiment un plaisir, beaucoup, un grand plaisir. Merci beaucoup, merci vraiment. Surtout, bon, nous, on fait déjà les business en ligne, on s'est lancé récemment il y a longtemps. Mais en tout cas, les stratégies de vente, c'est, comme vous l'avez cité, les stratégies de vente sont vraiment magnifiques. Les gens ne sont pas sur Internet pour acheter. Les gens sont sur Internet pour se dire, voilà. Évidemment, on vient, on bombarde les gens avec les applis, on bombarde les gens avec des publications. Alors que les gens sont bons pour ça. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est une stratégie de comprendre que, en tout cas, attirer l'attention, tout ça, en tout cas, c'est magnifique. Et vraiment, merci beaucoup. On est ensemble, c'est le minimum. Merci beaucoup, on est ensemble. Et voilà, quelqu'un d'autre, allez-y, il n'y a pas de problème. Comme on dit, n'ayez pas peur, on est ensemble. Et Amadou. Oui, attendons. mais cette première partie, c'est bien passé. Hein? Super, super. Merci beaucoup. Les bandes sont très importantes. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ça veut dire qu'en fait, c'est comme tu dis, il faut savoir utiliser l'Internet de façon utile. Oui, exactement. De façon utile. Et je rebondis un peu sur la dernière action que tu as dite. Effectivement, les grandes structures, il faut exprès de ne pas donner la monnaie. En général, si c'est moyen de 100 francs, on te dit, je te donne deux bonbons. Ouais. Tout ça, en fait, ça c'est, on est en train de t'amadouer, comme tu dis, pour toujours faire que tu fasses toujours la boucle. Exactement. Et c'est non, c'est important. Et le truc que tu avais donné, la capture là, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire garder le contact du client et proposer toujours des services. Et bon courage. Comme on dit, on est toujours derrière, quoi. Merci. Merci beaucoup, tonton. Merci. Merci beaucoup. Sidiki, allez-y, Sidiki. Tu peux ouvrir ton micro. Sidiki, tu peux ouvrir ton micro. Tu m'entendais? Oui. Ok, je suis content de participer vraiment à cette conférence parce que je viens d'avoir encore une grande motivation pour me lancer. Parce que de temps en temps, j'ai eu la volonté de me lancer, ne serait-ce que sur YouTube pour faire des vidéos, mais que comme je n'ai pas quelque chose de consistant à dire, et ça m'a toujours ralenti jusque-là. Donc, et je viens d'avoir une motivation aujourd'hui, donc je voulais juste dire merci. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et si vous décidez de vous lancer sur YouTube aussi, on sera là. On sera là. Sur Internet, on n'a pas, même en dehors d'Internet, on n'a pas besoin que tout soit parfait pour démarrer. On a besoin de démarrer et les choses ne seront jamais parfaites. On a besoin de s'améliorer jusqu'à la fin. Merci. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, on entame la deuxième partie. Il n'y a pas de problème. Après, on voilà. Je pense que la méthode, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est pratique.
Allez-y, Andrew. Elles sont vieilles. Hein. Ton micro, là. Je pense que j'étais en train de désactiver les sons pour voir quoi. Voilà. Ok, je repartage l'écran. Sans je pense que j'aurais besoin d'aller souvent sur, sur Internet pour vous montrer aussi. Ok. Nous sommes sur e-commerce. Hein? E-commerce, c'est de créer un tout guillemets au marché qui permet à des fournisseurs de venir vendre et les clients de venir acheter. Plus ou moins, vous êtes intermédiaire. Hein? Vous êtes intermédiaire ou apporteur d'affaires, je ne sais pas, de ces deux personnes. Je vous donne juste un exemple. Et c'est un business très rentable. N'ayez pas peur. Tout le monde peut le faire. E-commerce est l'une des business très rentables. Moi, aujourd'hui, l'e-commerce me permet de gagner aussi. J'ai une plateforme de vente. Et ce qui est bien avec l'e-commerce, ça ne demande pas grand-chose, mes amis. Tout ce qu'il demande, c'est la création. Une fois que le site est créé, c'est fini. Tous les dépenses annuelles, c'est l'hébergement annuel que tu payes, qui tourne autour de maximum 60 000. Tu peux avoir même des serveurs qui t'hébergent à 30 000 par an. Si tu trouves un développeur, un bon développeur, une entreprise sérieuse qui sont prêts à vous construire un site Internet, marketplace, il faut partir sur ces bases-là, marketplace, créer e-commerce, le Amazon, le Alibaba, le Jumia, le Saint Marché. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire que les développeurs pour vous dire que voilà, vous allez payer 500 000, vous allez payer 1 million. Anyway, il n'y a pas de problème. Même si vous n'avez pas les moyens toi seul, allez voir 5-10 personnes qui sont comme toi, qui sont les mêmes idéologies. Chacun donne 50 000, vous créez le e-commerce. Dès que vous créez la plateforme, c'est fini. Chacun va s'occuper d'une tâche. Regardez, je partage Internet. C'est le marché. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Je pense que vous voyez l'écran. Comme vous ne pouvez pas, je n'ai pas activé le micro, vous pouvez écrire sur les chats, sur les messages, quelqu'un peut écrire pour me dire, est-ce que tu vois l'écran? Vous voyez l'écran de ce marché, quelqu'un peut écrire. J'attends juste un message sur les chats pour voir. Est-ce... Oui, ok, c'est bon. Voilà, là. Là, c'est notre plateforme de vente en ligne, Saintmarché.com, que j'ai créée depuis 2019. Quelles sont les dépenses de cette plateforme pour moi? C'est chaque année, je paye 60 000. Et c'est moi qui ai choisi cet hébergement parce que je veux que cette plateforme soit rapide. Quand tu mets Saintmarché, tu entres. Saintmarché aujourd'hui, c'est un marketplace. Toi, tu es à Ouaga, tu es à Abidjan, tu es à Ziguinchor, tu es à Dakar, peu importe, on n'a pas besoin de se voir, tu peux créer ta boîte, ta boutique sur Saintmarché.com. Tu peux créer ta boutique sur Saintmarché.com et commencer à commercialiser tes produits. Et commencer à commercialiser tes produits. Tous les produits, ce ne sont pas mes produits. Ce sont des personnes qui ont créé leur boutique sur Saintmarché, commencer à vendre leurs trucs sur Saintmarché.com. Moi, mon rôle et mon équipe, c'est de faire connaître cette plateforme pour que les autres viennent acheter sur cette plateforme. Pour un départ, je vous conseille de ne pas prendre des pourcentages. Vous mettez, voilà, vous faites de telle sorte que les personnes qui vont installer, mettre leurs produits sur cette plateforme. Exemple, moi, cette plateforme, toi, tu mets tes produits sur Saintmarché.com. Si quelqu'un achète un produit, nous, on reçoit un mail au niveau de Vision d'Afrique. Mais toi, tu reçois le mail qui te dit que le produit que tu as mis sur Saint-Marcé vient d'être commandé. Voici la facture. Tu vas aller livrer le client. Comment Vision d'Afrique gagne de l'argent avec cette plateforme? Toi, tu crées ta boutique sur Saint-Marcé.com. Tu payes chaque mois 5 000 francs. Vous êtes 400 personnes calculées. Vous êtes 1 000 personnes calculées combien on gagne. Chaque personne paye 5 000 par mois. Tu vends 1 million ou 1 milliard. Nous, on vous fait juste, on vous loue l'espace pour que tu commercialises tes produits. C'est un business très rentable. Au-delà de ça,
toi-même qui peux faire du dropshipping à l'intérieur de ton plateforme. Regardez. Moi, je vends des formations pour toutes les... Vous savez que je vends des formations. J'avais l'habitude d'héberger mes formations sur System.io. Je paye des pourcentages, je paye tout. Mais aujourd'hui, mes formations, moi, je les berce sur saintmarcel.com. Peu importe où tu te retrouves dans cette planète, tu peux acheter. Regardez, ça, c'est une formation crypto-monnaie. C'est une formation complète qui te donne accès à tout le... Voilà, en tout cas, tout. Mais je n'ai plus besoin de System.io. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France. Vous voulez acheter cette formation et le suivre en pire automatique. Je dors, tu achètes. C'est Warren Buffett qui disait que tant que tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent, quand tu dors, tu risques de travailler toute ta vie. Regardez, la personne va remplir tout ces nanani nanana. Le total de la formation, c'est 301 000 en France CFA. Tu fais commande. Ça, c'est... Mes amis, tout le monde peut faire e-commerce. Ça n'a rien à voir. Il y a une grande différence entre e-commerce et dropshipping. Dropshipping, c'est ce que j'ai en train de vous dire. Là, c'est du dropshipping dans ma propre plateforme. Dropshipping, c'est trouver des produits des autres et de le commercialiser dans cette plateforme. Là, Jumia, ils sont mes concurrents, mais ils ont un système très puissant qui s'appelle GeForce de Jumia. Je faisais partie des personnes qui formaient les premières personnes qui faisaient du GeForce de Jumia. Si la personne est en Afrique, que soit peu importe où tu te trouves, tu peux payer avec Orange Money, tu peux payer avec Wave, tu peux payer avec Visa, Expresso, Visa, Mastercard, etc. Vous êtes en France, tu mets ta ligne, nanana, tu valides. Automatiquement, nous, on reçoit les paiements sur ces marchés, mais en même temps, toi, tu reçois ta formation rapidement avec les vidéos, avec tout ce qui va avec. C'est un truc très rentable, mes amis. Si c'est compliqué pour une seule personne, deux personnes, cinq personnes, dix personnes, ce que les Africains ne font pas souvent, c'est de se mettre ensemble. Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est pourquoi le club entreprendre autrement, je me suis lancé dans l'agriculture, c'est pas moi seul. Avec beaucoup de personnes, chacun apporte un million, on se lance. Chacun apporte tant, on se lance. Il faut qu'on apprenne à faire des choses ensemble. Vous pouvez créer votre e-commerce. Si vous avez un peu de compétences sur l'informatique, avec WordPress, vous maîtrisez, vous pouvez créer votre boutique. Et après, le plus intéressant aussi dans ça, vous pouvez aussi commencer à importer des produits en Chine. Ça, c'est un business très rentable. Je vais vous partager ce secret-là aujourd'hui. Je ne le dis pas beaucoup. Je vends beaucoup de produits, mais les gens ne voient pas ça. Parce qu'il y a des business que je fais, que je veux être affiché sur le business. Il y a des business que je fais, je ne veux pas être affiché sur le business. D'accord? J'attends. Ce que je partage sur WhatsApp là, est-ce que vous voyez mon écran aussi? Je ne veux pas, comme j'ai coupé votre micro, je ne pouvais agrandir l'écran du partage. Ok, d'accord. Oui, ok, c'est super. Voici ce produit-là. Et avant d'aller plus loin même sur ce business, allez n'importe quel produit que vous avez l'habitude d'acheter dans votre pays. Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouagadougou, nanani, nanana. Vous achetez les produits à 10 000, à 15 000. Allez sur Alibaba, AliExpress. Vous allez voir, le prix de ce sera à 1 000 francs, 500 francs. Ce produit-là, il coûte un peu partout en Afrique, partout dans le monde, même en Europe, environ 15 euros. En Afrique, les gens le vendent à 15 000, 20 000, etc. Regardez bien le produit. C'est un produit qui enlève tout ce qui est tâche, tout ce qui est bouton, tout ce qui est... si vous avez de mal dans votre corps, quelque part, en tout cas mal, si vous frottez, voilà, ça, c'est très bon. Ça enlève les boutons et tout ça. Vous voyez le produit? Ça coûte 19 000, 15 000, etc. Depuis un bon moment, je commercialise ce produit-là. Voici, ça c'est un fiche de versement. Je pense que vous voyez le fiche, hein, combien que j'ai déposé? 835 000. Mais attends, je pense que j'ai la facture. Non, mais pour ouvrir la facture, je pense qu'il faut que je... Voici la facture. J'ai acheté 835 000. Je ne peux pas amener tout. Voilà. 835 000. Là, on a marqué la quantité, c'est ça que j'ai cherché. Bon. En tout cas, je vais vous montrer tout ça.
tout, en tout cas, j'achète 2000 produits à 800 000. En tout cas, pour avoir 2000 produits, ça me coûte 1 million environ chaque commande. J'importe ça pratiquement chaque 3 mois. Voilà, les 2000 produits, ça me revient à 1 million. Si je fais l'addition, ça me revient par produit moins de 1000 francs ou 1000 francs. À chaque fois que je reçois mes produits, je vends à 10 000, vite fait. Les 2000 produits, ça te fait 20 millions et tu sors, tu fais autre chose. Et les produits, à chaque fois que je reçois les produits, en moins de 3 mois, j'écoule les produits. En moins de 3 mois, j'écoule les produits, ça te fait 20 millions, tu fais un bénéfice de... Voilà, si tu sors toutes tes dépenses, 15 millions. Les business d'Alibaba, c'est très rentable. Voilà, pour ceux qui connaissent le business d'Alibaba. Donc ça, tout ça, c'est des e-commerce et le dropshipping. Ce sont des business que vous pouvez faire. Et si c'est compliqué, mettez-vous ensemble. Vous commandez. L'avantage, le seul hic en Chine, si vous voulez commander 2 produits, 10 produits, les gens vont accepter. Pour ceux qui voient certains produits même, surtout ça aussi pour les femmes, les téléphones portables, souvent j'ai testé, mais la différence n'est pas trop élevée. Mais il y a certains produits de femmes, des trucs comme ça, les bénéfices, c'est pas 100%, c'est 1000%. C'est des business très, très rentables que vous pouvez faire. Créer votre e-commerce ou bien faire du dropshipping. Il ne faut pas se limiter sur rien. Faire du dropshipping. Dropshipping aussi, c'est quoi? Aller chercher des gens qui vendent des bouteilles d'eau et vous leur dire qu'il faut qu'on arrête aussi certaines méthodes. Allez, oui, moi, beaucoup de jeunes, c'est comme ça qu'ils cherchent des partenariats. Oui, actuellement, j'ai des problèmes de trouver du travail. Ma mère, elle est malade. J'ai besoin que tu m'aides à vendre. Les gens, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié pour toi. Tu viens te dire à quelqu'un, oui, je vois que tu vends des bouteilles d'eau, c'est bien, hein, j'ai goûté ton eau, mais je pense que c'est bon. Moi, je suis là pour vous aider. J'ai une plateforme de vente en ligne, j'ai une communauté sur Facebook, je vais prendre vos bouteilles d'eau, est-ce que tu as de la quantité, je veux commencer à les commercialiser. Le gars va sauter sur cette opportunité. Tu lui dis, non, moi, je ne prends pas les bouteilles d'eau. Est-ce que tu as un livreur? Oui, j'ai un livreur. OK, d'accord, moi, je vais prendre les images, tu prends les images, tu vas aller voir un graphiste. Je fais une formation sur la formation, même comment gagner sa vie sur Internet. On vous montre vraiment comment utiliser Canva. Pour maîtriser Canva à 1000%, tu n'as pas besoin d'aller voir un graphiste. Tu entres sur Canva, tu fais un beau design, un très bon design. Tu mets les prix, tu mets tout, tu mets tes... Le gars, il t'a dit le prix, tu mets tes prix, tu commences à partager sur Internet. N'oublie pas ce que je vous avais dit. Hein. Ne viens juste pour partager ces affiches. Ouais, je vois comment les gens boivent des mauvaises eaux, nanani, nanana. Trouver un moyen pour... Voilà, racontez ces arbres de soi et ensuite vous proposez cette loi-là. À chaque fois qu'il y a une commande, tu appelles le gars, il livre, tu prends tes pourcentages. C'est du dropshipping. Ça marche très, très, très bien, mes amis. Ça marche. Ça marche très, très, très bien. Il suffit juste de le maîtriser. Ce que je dis, c'est du pratique. C'est pourquoi je ouvre aussi cette plateforme. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, est-ce que c'est son plateforme de vente? Est-ce que ça appartient à SEC? Est-ce que... Mais pour ceux qui me connaissent, savent que c'est un produit de Vision d'Afrique. Hein? C'est un produit de Vision d'Afrique. Quand on dit Saint Marché, c'est 2 mots. Le marché, tout le monde connaît. L'Américain, le Français, le Sénégalais, l'Africain. Saint en Wolof, c'est voilà, votre. Saint encore revient comme Sénégal, SN. Donc, c'est les significations qu'on a pris pour parler de Saint Marché. Quoi. Donc, l'e-commerce, c'est un très bon business que vous pouvez faire, mes amis. Encore une fois, c'est pas des business que vous faites aujourd'hui pour gagner aujourd'hui. Vos actions d'aujourd'hui, c'est pour des résultats de demain. Les actions d'aujourd'hui, c'est les résultats de demain. Voilà. Tout le monde peut faire du e-commerce. Notez, tout le monde peut faire du e-commerce. Et après, comme on dit, hein, souvent j'aime bien le dire dans les formations, vraiment tout ce que, c'est de l'information qu'on donne. C'est l'information. On donne l'information. Mais pour aller plus loin, il y aura des méthodes, des mécanismes aussi pour accompagner. Le dropshipping, j'ai plus ou moins broché le dropshipping. Le dropshipping, c'est juste trouver un moyen, les gens qui vont aujourd'hui, comment faire du dropshipping? Je pense que je ne l'ai pas mis dans cette slide, je l'ai mis sur une autre slide. Comment faire du dropshipping? Il faut choisir des produits. Quand tu veux faire du dropshipping sur X produits, pour savoir que ce produit va marcher ou pas, mes amis, je vous donne l'indication, l'indicateur, voilà. Allez sur Facebook, vous tapez le produit. Ce produit-là, il y a beaucoup de personnes qui vendent le produit. N'importe quel produit que tu veux vendre, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le commercialiser déjà. Quand vous tapez le nom de ce produit sur Facebook, tu regardes les cinq premières publications qui apparaissent, tu vas les liker.
s'il y a plus de 500 likes, ou bien 1000 likes, 500 commentaires, 1000 likes, 500 commentaires, c'est les bonnes indications. Ça marche. Quand tu rentres dans ce produit-là, ça marche. Mais quand tu veux vendre ce produit-là et tu rentres sur Facebook, tu tapes le nom de ce produit, les 5 premières publications, il n'y a même pas 100 likes, il n'y a même pas 2 commentaires. Plus ou moins, il faut revoir. Surtout les publicités sponsorisées. Mais quand tu fais ces tests-là sur Facebook, ça te permet de vendre. Parce que la meilleure plateforme pour vendre, c'est Facebook. Hein? C'est Facebook. Et il y a une chose aussi, il faut comprendre. J'ai dit, il ne faut pas entrer sur Facebook pour vendre, pour venir, oui, je vends, les gens vont acheter. Mais tu peux le faire aussi à une autre manière. C'est ça qu'on appelle business manager de Facebook. Là, on n'a pas besoin de te connaître. C'est Facebook qui choisit les gens qui achètent vos produits. Là, tu n'as pas besoin de venir dire, oui, si vous voulez boire de l'eau, si vous voulez, non. C'est pourquoi Facebook se fait de l'argent. Il connaît nos centres d'intérêt, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce... Facebook le connaît. Si vous décidez maintenant de passer par Business Facebook Manager, de faire votre campagne publicité, ça, tu peux faire ça. Tu peux venir prendre des produits, rentrer, vendre ces produits et sortir, prendre tes bénéfices. Arrêtez aussi de booster les publications sur Facebook. On ne booste pas des publications. On part sur Business Manager de Facebook pour faire ce travail. L'infopreneuriat, c'est un business aussi très rentable, c'est de vendre des informations. Moi, plus ou moins, je suis dans ce secteur d'activité, vendre des informations. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à partager. Tout le monde, même toi. Ne dis pas, non, qu'est-ce que je vais partager? Il suffit juste qu'on fait une séance d'une heure de temps, je te dis, qu'est-ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux? Une séance d'1 heure de temps suffit pour que je te dise ce que tu dois partager sur les réseaux sociaux. 1 heure de temps. Tout le monde a sa place. L'infopreneuriat, tu es mécanicien, tu peux parler de ça. Tu es, je ne sais pas, ingénieur en informatique, tu as ta place. Tu es en vente, tout le monde a sa place. Aujourd'hui, les gens savent très bien que l'école nous a volé, comme il y a des amis burkinabés, mon ami Côte Simon qui dit le plus grand voleur, c'est l'école. Parce que le plus grand voleur, c'est celui qui vole ton temps. Et l'école, plus ou moins, souvent on peut pardonner de critiquer l'école. Souvent, les gens disent que parce qu'il n'est pas allé à l'école, il se permet de critiquer l'école. Mais ce n'est pas ça. Le plus grand, parce que tout ce qu'il vous a promis, il n'a pas l'intention de respecter ses engagements. Aller à l'école pour trouver un boulot. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Est-ce qu'à la fin, vous avez trouvé un boulot? Vous avez la réponse. Ainsi de suite. Et maintenant, les gens, ils ont compris ça. Ils vont aller où pour apprendre? Pourquoi même école, un programme de 8 mois ou de 9 mois? C'est pour vous faire payer chaque mois. Mais ce qu'on vous apprend sur les 9 mois, 2 mois suffisaient pour que vous compreniez tout ça ou comprendre l'essentiel de tout ça. Aujourd'hui, YouTube, Facebook, Google, les formations en ligne est 10 000 fois beaucoup plus rapide. Moi, j'ai acheté, je dis souvent quand je taquine mes amis pour leur dire que je n'ai pas allé à l'école, mais ce que j'ai dépensé. Même sur les livres récemment, j'ai fait une vidéo pour ça, c'est du sérieux. Lorsque j'ai comptabilisé ce que j'ai acheté comme livre, ça tourne autour de 3 millions. J'ai acheté beaucoup de formations. L'une des dernières formations que j'ai achetées, c'est des formations de Yomi Denzel. Je l'ai acheté à 1 400 $. J'achète beaucoup de formations. Mais ces formations, c'est une semaine, un mois, tu es rentable, tu es prêt. Tu es prêt à gagner. C'est très important de comprendre. Quand tu maîtrises maintenant quelque chose, tu le partages, les gens vont venir acheter ces choses-là. Si vous n'avez pas d'informations ou d'expérience à partager pour l'infopreneuriat, tu peux partager ou vendre l'expérience ou l'information des autres. Tu peux te positionner comme vendeur de livres. Je vous donne un secret. C'est quelque chose qui va marcher dans les jours, dans les mois à venir. C'est ça, être visionnaire, d'essayer d'anticiper ce qui va marcher dans les jours à venir. Vous avez un niveau d'études élevé, supérieur. Créez votre page YouTube. Je vous donne le secret. Tu partages une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. Votre travail, c'est quoi? C'est de résumer des livres. Tu gagnes 2 fois. Tu gagnes 1, de l'argent. 2, tu gagnes l'expérience et la culture générale. Tu lis des livres. À chaque fois que tu termines le livre, tu dis... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « L'art du trading » écrit par telle personne. Dans ce livre, nanani, nanana, et à la fin, tu dis, vraiment, c'est un livre très intéressant. Si vous voulez avoir un livre, vous pouvez me contacter. Tu vends plus que l'auteur du livre.
Demain, tu prends le livre de Robert Kiyosaki. Est-ce que vous connaissez Robert Kiyosaki? C'est lui qui a écrit tel livre. Nanani, nanana, nanana. Non, ce que j'ai appris. Non, ce livre-là, nanani, nanana, nanani. Expliquez tout ce que tu as lu dans le livre. Mais ce livre-là, vous ne pouvez pas lire le livre et voilà, sans changer de mentalité, etc., etc. C'est pourquoi je vous... À la fin, les gens ne vous suivent pas pour acheter, mais ils vous suivent pour comprendre le résumé. Mais à la fin, tu proposes le livre. Tu vends plus que Robert Kiyosaki. Demain, tu prends un autre livre que j'adore, moi et mon tonton qui a parlé tout à l'heure, l'art de la guerre de Sun Tzu. Tu dis que c'est là, c'est un livre qui date des années et des années ou des siècles, qui s'appelle Nanani Nanana, tu expliques. Je pense que vous avez compris le concept, je n'ai pas besoin de le faire avec tous les autres livres. Et à la fin, tu dis comment maintenant la personne, qu'est-ce qu'il va apprendre. Et à la fin, tu dis, voilà, c'est pourquoi je vous réserve le livre. Si vous avez besoin de livre, contactez-moi. Tu vends plus que l'auteur du livre. Mes amis, il y a des opportunités. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Moi, si j'étais à l'école, avoir certains niveaux d'études, c'est ça que je vais faire et je vais gagner beaucoup d'argent. Amazon, il a commencé par ça. Amazon, il a commencé avec en vendant des livres, pas même résumer des livres, pas même aider les gens à comprendre, juste à vendre des livres. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Cette partie, c'est une partie où vraiment c'est pour les gens que j'accompagne. Freelance, c'est un business très rentable, mais ça demande du temps quand même. C'est-à-dire que moi qui aime automatiser toutes mes affaires, voilà. Mais quelqu'un qui ne fait rien aujourd'hui, il y a des sites. Je vais vous envoyer tous ces sites dans le groupe. 5euro.com, codeur.com, fiverr.com. C'est des sites sur lesquels tu peux t'inscrire. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et vous présentez vos compétences. Et chaque semaine, on te donne des projets qui existent parce que des millions de personnes proposent des services dans cette plateforme. Et si tu acceptes de faire ces services-là, on vous paye via PayPal, via... Stripe et d'autres méthodes de paiement, c'est très rentable et c'est sûr, mais sauf que tu dois faire un travail. Attends, je vous montre même mon compte codeur.com. Tout ce que je dis, mes amis, c'est dit pratique, mes amis, c'est pas du blabla. Attends, je fais partage d'écran de Google encore. Voilà, tac. Gmail. Écris-moi sur le chat pour vous dire, est-ce que vous voyez mon compte? Gmail. Est-ce que vous êtes en train de voir ma page Gmail? J'attends juste un message. Oui, ok, c'est super. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Regardez ici, message codeur, 53 nouveaux projets. Parce que moi, je me suis inscrit dans ce compte. C'est des sites de freelance. On me dit aujourd'hui, codeur.com, 53 nouveaux projets de budget, voilà, nanani, nanana. Ça, il y a Maître Monsu qui est à 1.6 à 1.7. Moi, je connais des développeurs. Donc, ils sont prêts à payer jusqu'à 1000 à 10 000 euros. Nous cherchons quelqu'un qui puisse soit voilà, migrer ma multi-boutique, des trucs comme ça. Vous voyez, il y a d'autres installations de services dédiés et transferts de sites. Lui, cette entreprise, ils sont prêts à payer 500 à 1000 euros. Bonjour, nous cherchons un prestataire pour nous aider. Pourquoi moi, Codeur m'envoie ces services? Parce que la présentation que je fais dans cette site correspond à ces services-là. Tous les jours, on peut m'envoyer plus de 1000 projets. Tu ne peux pas atteindre tout ça. Mais pour le faire, j'ai besoin de temps. Sur codeur.com, je fais des services parce que là, je délègue. Je connais des développeurs qui n'ont pas les compétences, qui ne savaient pas. Parce que le premier développeur avec qui je travaillais sur le projet, lui, il n'avait pas l'expérience. Il ne savait pas l'existence de ce site. Moi, à chaque fois que je rentre, si Codeur me propose un pourcentage, je lui donne. Et je lui fais aussi un autre pourcentage. Lui, il fait le travail, mais comme Africain, il y a un moment donné, il a découvert le secret. Il m'a dit, c'est qu'il faut m'aider à créer moi aussi ma propre compte sur codeur.com parce qu'il a suivi une de mes lives. J'ai dit, ah, tu ne vas pas laisser que je continue à te donner les projets. Il dit, mais s'il te plaît, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire, là, tout ça, c'est des projets. Imagine, si je clique ici,
Voilà, ils sont prêts à payer, nanani, nanana. Tu remplis les critères. Si tu es d'accord avec eux, tu mets, voilà. Trouver un freelance. Donc, ça, c'est, je le développe en tout cas sur une formation très complète. C'est freelance, quoi. Mais sauf, comme je l'ai dit, sauf que tu as besoin du temps. Parce qu'il faut que tu maîtrises la chose, tu sois là pour le faire. On te paye par heure de travail. Donc, si pour ceux qui n'ont pas de qui n'ont rien à faire, ils vont faire ce business. C'est très, très rentable. C'est rentable. Plus même que rentable. Ça aussi, c'est l'une des business très rentables aussi aujourd'hui. Moi, j'ai eu deux personnes aujourd'hui qui sont en train de gagner leur vie sur ça. Créer votre agence de marketing digital sur Internet. Ça, c'est quoi? C'est de créer, de gérer. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de gérer leur page Facebook, leur Instagram, si surtout les entreprises. Si toi, tu maîtrises Canva, tu maîtrises certaines astuces, tu commences à demander les gens de te confier leur business. Même si je partais tout de suite sur Canva, sur coder.com, je pouvais vous montrer beaucoup de personnes qui nous proposent des flyers, de gérer leur compte Facebook, de gérer leur compte Instagram, de faire deux publications par jour. Tu te fais de l'argent avec ce système-là. Mais ça aussi, tu as besoin d'être dans le business, de le faire, de faire tourner ton entreprise, etc. Il faut être aussi, comment il s'appelle, avoir cet esprit créatif, c'est-à-dire que faire des bonnes images, des bonnes visuels qui permettent à la personne de se distinguer des autres. On appelle identité visuelle, comment créer, comment utiliser Canva. Quand vous maîtrisez ce business, mes amis, les étudiants surtout et tout ça, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ce business-là. Je connais beaucoup de personnes qui s'en sortent pas mal uniquement avec ça, uniquement avec créer une agence de marketing digital sur Internet. C'est important de maîtriser Business Facebook Manager si vous voulez vous lancer sur ça. Attends encore, je vous montre ma page Business Manager Facebook. Voilà, 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 je pense. Voilà. Je ne parle pas de comment il s'appelle, de Facebook. Hein. Là, ça, je suis là. Voilà. Vous avez cette questionnaire de publicité, paramètres de compte. Vous avez tout. C'est ici qu'on fait les publicités. Les vraies publicités, c'est ici. Voilà. Je ne parle pas d'aller sur Facebook écrire. Non. Il faut maîtriser ça. Mais ça aussi, en moyenne d'une heure de temps, on peut vous former pour maîtriser ça. C'est rien, ça. C'est absolument rien. Il suffit juste de vous montrer par où cliquer ici, cliquer ici, cliquer ici. Business Manager Facebook. Même si ce n'est pas pour créer une agence de marketing digital, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas créer une agence de marketing digital, mais si vous avez vos propres business, vous voulez vraiment se développer sur Internet, cherchez à maîtriser le Business Manager de Facebook. C'est important, c'est important. Il y a trois comptes sur Facebook. Il y a votre compte personnel, votre profil personnel, là où vous, comme nous les jeunes, là où on part pour envoyer les go, voilà, coucou, tu me manques, je t'aime, nanani, nanana, passer toute la journée à dire coucou, tu me manques. Voilà, là, c'est notre compte personnel. Il y a notre page qui représente notre entreprise. Après notre page, il y a notre business manager qui représente nos business maintenant. Voilà, qui fait que là, on part pour faire les publicités, là où on part pour vendre des trucs sans s'afficher sur le truc. Ça, c'est sur Business Manager. Il faut le maîtriser, mes amis. C'est important. Donc, si vous maîtrisez aussi que créer votre agence marketing digital, tu peux te faire de l'argent aussi. Ça, c'est obligatoire. Voilà, ce que je dis sur Business Manager Facebook, c'est de sensibiliser, de faire capable de faire la campagne publicitaire Facebook. Hein? Vous ne pouvez pas faire, c'est indispensable si vous voulez faire du business en ligne. Hein? Faire comment, à chaque fois que je fais une campagne publicitaire, le vert se sensibilise du début jusqu'à cette partie. Je vais réussir à avoir la considération de la partie jaune. Et la diffusion, c'est la partie rouge. Si je réussis à toucher 2000 personnes, parce que Facebook, si c'est campagne publicité Facebook, 2000 personnes, Facebook va envoyer ça à 2000 personnes clients, pas 2000 personnes prospects, nous 2000 personnes clients qui sont intéressés à ces produits parce que Facebook le connaît déjà. Vous aurez la partie zone
1500 personnes qui vont dire intéressés, ils ne sont pas prêts pour acheter aujourd'hui. Ça permet de leur capturer déjà d'abord aussi, parce qu'ils vont acheter demain. Et la partie rouge, ils vont acheter. Ça aussi, c'est sûr avec Facebook Business Manager. Ça, c'est une partie aussi qui est incontournable aujourd'hui. Des millions et des millions de personnes utilisent cette plateforme par jour. Mes amis, vous avez votre place. Ne me dites pas que j'ai peur de parler. Ne me dites pas que moi, je suis moche parce que je ne veux pas que les gens voient mon visage. Ne me dites pas que moi, je ne sais pas quoi dire. Ne me dites pas que moi... Non. Vous avez quelque chose à partager. Les gens, ils sont envie de vous écouter. Les gens, ils sont envie de savoir ce que vous allez leur partager. C'est juste le chronologique qu'il faut suivre. Il n'y a pas un business plus rentable que YouTube aujourd'hui. Voilà. Même avec 10 000 abonnés, tu te fais de l'argent. Même si c'est 40 dollars par jour sur les vies, c'est bon. Si c'est 10 dollars par vie, c'est bon. Sur ces, peu importe. C'est des revenus passifs. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je pouvais même ouvrir ma page YouTube pour vous montrer les revenus que je gagne sur YouTube. Voilà. Mais pour vous dire que c'est très important et capital. C'est très important et capital. Ah, l'équipe est en train de me demander, il est presque 17h. Ah. En tout cas, c'est important, cette partie YouTube. Tu te fais... C'est illimité les business de YouTube. C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. Donc, tout ce que je viens de développer, je vais vous envoyer les documentations, les d'autres. J'ai fait beaucoup de formations sur cette partie. Ça, c'est, comme j'ai dit, les formations, les lives, c'est pour donner vraiment les informations. C'est vraiment pour donner les informations. Donc, on ne va pas faire une autre pause parce que voilà, on va, pour gagner plus de temps, on va parler de la crypto-monnaie. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur l'aspect, l'importance de la crypto-monnaie aujourd'hui. Je n'ai pas besoin, je pense. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit au début, le directeur général de Binance qui est allé rencontrer le président de la République du Sénégal, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Centrafrique, qui a adopté la crypto-monnaie. Moi, personnellement, je peux dire que si je divise par trois mes revenus sur Internet, les deux, c'est la crypto-monnaie. Et comment gagner de l'argent sur la crypto-monnaie, c'est ça qu'on va voir sur cette partie. Comment gagner? J'aurais bien aimé partager mon compte Binance, partager EasyChange et tout. J'avais déjà préparé tout ça, mais bon, si on a le temps, si vous n'êtes pas fatigué peut-être. Sinon on va faire vite. Là, on a les crypto-monnaies. Mes amis, les pauvres de demain, il y a quelqu'un que j'adore cette vidéo qui dit qu'on avait l'habitude de dire les analphabètes de demain ou aujourd'hui, ce sont les personnes qui ne savent pas manipuler l'Internet. Mais l'analphabète ou les pauvres de demain, ce sont les personnes qui ne vont pas s'engager sur la crypto-monnaie aujourd'hui. Ça, je vous le promets. Les gens, les pauvres de demain, ce sont les gens qui ne vont pas s'engager sur la crypto-monnaie aujourd'hui. La crise va... actuellement, tout le monde est en train de se plaindre. C'est difficile, le monde qu'on est en train de vivre. Avec la crise et russe, ukrainienne, je ne sais pas, et d'autres personnes, il y aura d'autres crises. Ça va être encore pire. Ceux qui vont se lancer sur la crypto-monnaie, et ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est l'inflation, c'est-à-dire que les prix augmentent. Ce n'est pas que les prix qui sont en train d'augmenter, c'est votre argent qui est en train de perdre de la valeur. La seule solution, mes amis, c'est la crypto-monnaie. Vous mettez 100 dollars, 200 dollars, 50 dollars, 10 dollars. Je ne vous demande pas de mettre 1 million ou 1 milliard. Mettez ce que vous avez. Même si c'est 1 000 francs, c'est bon. Mais ce que je ne pouvais pas comprendre ou bien vous pardonner, c'est de ne pas mettre rien du tout. Ou de ne pas chercher à comprendre. C'est dangereux. C'est dangereux. L'année dernière, moi, j'ai acheté Solana à 3 dollars. J'ai vendu Solana à 150 dollars. L'année dernière, j'ai acheté Solana lorsqu'il était 3 dollars. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous pouvez comprendre tout ça. Et j'ai vendu Solana à 150 dollars. Imaginez si j'ai vendu 1000 pièces. J'ai acheté deux voitures l'année dernière avec la crypto-monnaie. C'est un bon business. Les gens parlent de tout et de même. C'est Idriss Aberkan, je pense que j'ai son livre ici. Ouais. Libérez ton cerveau. Il dit quoi? Cette révolution commence par trois phases. Ridicule, tout le monde va parler, ouais, c'est ridicule, on ne va pas faire, nanani, nanana. Ensuite, c'est dangereux. À la fin, c'est évident. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Aujourd'hui, plus ou moins, on est sur cette phase-là, pas encore à 100%,
mais on va y arriver. Je ne vous demande pas de faire grand chose, je vous demande juste de chercher à comprendre. On peut pardonner nos ancêtres, nos papas, nos grands-pères, nos grands-mères d'être en retard par rapport à l'Occident. C'est normal. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'avaient pas l'accès à l'information en temps réel. Mais mes amis, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes en France, vous êtes en train de suivre en direct. Ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, vous pouvez le savoir en temps réel. Ce qui se passe en Russie, vous pouvez le savoir en temps réel. Pourquoi on va être en retard? Si nos autorités généraient, moi je suis apolitique, je ne connais rien de la politique. Mais si eux, ils décident d'être en retard, pourquoi nous? Pourquoi? Moi, ce qui me fait mal sur le sujet de la crypto-monnaie, c'est ça. Ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire. Mais le fait qu'on pense qu'il faut que les autres le font d'abord, c'est ça qui me fait mal. C'est juste ça. On a notre place. Nous, on est plus intelligents que les autres. Je vous dis ça. C'est en Afrique tout simplement que tu vois quelqu'un qui n'a pas appris ce qu'il est en train de faire et il le fait mieux que les blancs qui ont appris ces choses-là. C'est en Afrique. Je vois des mécaniciens qui n'ont jamais appris le mécanique et aujourd'hui, ils sont excellents. Je vois des gens qui n'ont jamais appris certains trucs qu'ils sont en train de faire et ils sont excellents. On est intelligent, on n'est pas bête. Donc, on ne demande personne de faire quelque chose d'extraordinaire, mais on demande tout le monde d'aller fouetter. Checkez, formez-vous. Le plus important, c'est ça. Le plus difficile de mon travail aujourd'hui, c'est la formation et l'apprentissage. 80% de mon temps pour le moment, c'est l'apprentissage. Si Warren Buffett, l'homme qui fait partie de l'homme le plus riche au monde, qui dit que 80% de son temps, c'est l'apprentissage. Apprenez. Moi, j'ai compris que pour arriver à un certain niveau, je n'ai pas besoin de courir derrière l'argent, j'ai besoin d'apprendre. L'argent vient naturellement. Les autorités m'invitent pour me dire que non, on veut que tu viennes participer à cet événement. Mois d'août, on m'invite à Istanbul pour aller participer dans une conférence. Je n'ai pas acheté le billet d'avion. Je n'ai pas payé réservation d'hôtel. Pourquoi? Si j'avais une tête vide, on va me donner ça? Si j'étais quelqu'un qui court derrière dans les rues de Dakar pour gagner 1000 francs, on va m'appeler quelque part? Non. Mais parce que je fais l'inverse de ceux qui servent l'argent. L'inverse, c'est quoi? Les gens courent derrière l'argent, moi je cours derrière la connaissance. Les gens ont besoin de cette connaissance. Ils ont besoin de comprendre ce que tu fais. Et que soient les autorités, que soient d'autres personnes, quand tu es plus outillé que sec sur les cryptos, je vous promets que vous allez gagner plus que sec. Si vous êtes plus outillé que Djabi, vous allez gagner plus que Djabi. Je vais vous montrer tout de suite un témoignage. Djabi, pour ceux qui me suivent sur YouTube, on s'est rencontrés, je pense, il y a 2 ans de cela. Il était venu pour acheter l'une de mes formations sur comment réussir sur Internet. Je suis fier de ses résultats aujourd'hui. Et lorsqu'il est venu, à la fin de la formation, il dit qu'on va continuer à être ensemble. On te donne des astuces pour voir. Aujourd'hui, il part à Dubaï, il achète des voitures de gauche à droite, il fait tout ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'information. Tu as les mêmes informations que moi. Qu'est-ce que je peux te vendre? Non, tu as tous les résultats. C'est juste tout ça. Donc, pour les cryptos, voici moi les méthodes que j'utilise pour gagner de l'argent d'abord, avant d'entrer sur mes plateformes. Revendre de la crypto-monnaie, tu peux faire 15% de rentabilité par jour sans risque. Si vous êtes sur des groupes de crypto-monnaie, entrez sur ces groupes-là, vous dites USDT disponible, vous allez voir comment les gens vont jeter sur cette pour dire combien. Parce qu'ils ne savent pas. Ils refusent de faire des formations. Toi, tu acceptes de se former. Tu laisses ton temps, plus de 2 heures de temps pour suivre quelqu'un qui ne va pas. Pour avoir des bonnes informations. Et au-delà de ça, en quittant ça, vous avez sur Binance aujourd'hui, tu peux acheter des crypto-monnaies par Orange Money, par WIF. Les gens qui ne savent pas que tu le revends. Donc, première méthode qui me permet de gagner de l'argent sur la crypto-monnaie, c'est de revendre. C'est très rentable et c'est intéressant. Je pense qu'après, les gens qu'on va prendre en privé, c'est une méthode très rentable. Les staking, tu peux gagner de 10 à 20% de rentabilité aussi, sans risque. Les staking, c'est déposer votre argent sur les plateformes comme Binance, comme Kraken, etc. Et vous laissez ces plateformes travailler avec ton argent. Travailler avec ton argent. Et on te propose des pourcentages. Il y a le holding. Le holding, c'est à long terme. C'est-à-dire que tu achètes certaines crypto-monnaies comme Bebidos, comme Saitama, comme Raka, comme Arriva, comme Mana surtout. Et ensuite, à long terme, ça, tu peux faire de 1000 à 2000, à 20 000, à plus même de pourcent à long terme sans risque. Mais il y a une autre partie que tout le monde doit maîtriser ici, c'est la spéculation. Tu te fais 100 à 1000 %.
par jour, mais avec risque. L'objectif, j'ai lu quelque part, j'ai oublié le livre, il dit qu'un homme intelligent, ce n'est pas quelqu'un qui a peur, qui doit peur. Il ne doit pas avoir peur des risques, mais il doit avoir peur, il doit avoir peur de ne pas savoir gérer les risques et minimiser. Un homme intelligent, c'est quelqu'un qui sait régler les problèmes. Et le sage, c'est quelqu'un qui sait contourner les problèmes. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur des risques. Vous devez avoir peur de ne pas savoir comment gérer les risques, comment contourner ces risques-là sur le marché. Nous sommes tous des traders, nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous, on a, souvent je mets de l'argent, j'ai peur. Je mets 2 000 $, 5 000 $, je prends position, j'ai peur. Mais il y a ce qu'on appelle les stop-loss, les take-profits. Tu peux minimiser les pertes, maximiser les gains. Ce sont les 4 méthodes que j'utilise pour le moment pour gagner de l'argent sur le marché du trading. Et cette méthode, bon, on aura l'occasion de développer chaque étape, chaque méthode, comment il est intéressant. Chaque méthode, chaque étape. Si vous maîtrisez ces étapes-là, vous allez être rentable sur le marché, mes amis. C'est très rentable de connaître aujourd'hui, de comprendre la crypto-monnaie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer aussi le slide. Vous allez encore l'étudier et mieux comprendre. C'est très important. Ces 4 méthodes, 7 méthodes vous permettent. Binance, pour devenir revendeur de la crypto, tu peux même commencer à acheter vous-même les cryptos sur Binance avec Orange Money, avec WF, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très important. Comme il est 17h presque, je voulais vraiment entrer sur mon compte Binance pour vous montrer comment ça marche. Faire du trading ensemble. Mais je vais vous montrer un programme. Voici un programme que je vous propose. Voici le programme que je vous propose. L'une des meilleures formations, comment réussir sur Internet, je peux dire en francophone. Réussir sur Internet est le seul programme dont vous avez besoin pour réussir dans l'e-commerce, dropshipping, e-commerce, crypto-monnaie, freelance, etc. Ce programme, c'est pour qui? C'est pour... s'adresse à deux types de personnes. Les débutants qui n'ont jamais commencé à gagner de l'argent sur Internet et ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur Internet mais qui veulent améliorer aussi ou gagner plus. Comment ce programme pour leur aider et tout ça, on a détaillé de A à Z. Le programme est 100% en ligne aussi. 100% en ligne. Peu importe où tu te trouves dans cette planète, tu peux suivre ce programme. À part pour vous accompagner de A à Z pour vous permettre de mieux comprendre tous les outils que vous avez besoin pour réussir sur Internet. J'ai même parlé pourquoi ce programme. Le but de cette formation est de permettre à toute personne terminée de la révolution de l'Internet pour changer leur vie. Si quelqu'un veut changer sa vie sur Internet, je vous propose le programme. Il y a énormément de témoignages des personnes qui ont déjà suivi le programme. Tout à l'heure, je vous avais parlé des Gabi. Je vous montrais, pour ceux qui si vous regardez l'image des Gabi, ça c'est la première, jour qui a été, première formation qu'on a terminée avec moi. C'est même si ça a pour aller plus loin, la même personne que vous voyez tout à l'heure parler de il est venu pour changer sa vie, c'est lui qui est là ici, avec moi et un ami ici. On était à Dubaï ici. Il est là aussi. Donc, et il y a des milliers de personnes que je pouvais vous montrer leur parcours et tout ça, y compris moi. Grâce à ce programme et ce business, on a réussi à changer notre vie. Grâce à ce programme. Sous ce programme, pour toutes les personnes qui veulent vraiment comprendre le programme, à l'intérieur de ce programme, c'est inclus une formation de la crypto-monnaie de A à Z. Formation, comment vendre. Formation, comment gagner sa vie sur Internet. Parce que j'ai essayé cette présentation, j'ai essayé de prendre sur chaque formation quelques trucs et de le mettre pour vous donner l'information. Aujourd'hui, c'était pour vous donner l'information. C'était juste pour vous donner l'information. Quand tu prends ce programme-là, je vous montre ce que vous allez voir.
ce que vous allez voir, quand quelqu'un prend ce programme, la batterie de mon ordinateur en train de signaler. Donc, il faut que je branche. Voilà. Quand tu prends ce programme, automatiquement, tout tes désaffaires est bien. C'est déjà. Là, vous avez, voilà. Ça y est, vous êtes pour entrer dans le monde du trading. J'ai préparé secrètement, nanani, nanana. Là, vous avez ça. Introduction. Vous avez premier lien, introduction. C'est une vidéo de 20 minutes, 30 minutes. Il y a aussi des vidéos de 12 heures. Là, vous avez cours numéro 1 avec le code d'accès. Si vous cliquez ici, on vous demande le code d'accès. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir ici. Plus de 12 séances avec des vidéos, avec des révisions, etc. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être un community manager. Tout est déjà préparé. Quand vous cliquez, on vous oriente directement sur les vidéos que vous allez suivre, etc., etc. J'ai acheté une vingtaine de formations sur ces deux dernières années, mais l'une des meilleures formations, l'une des formations que j'achète, que je vois que c'est une bonne formation, c'est la formation de Yomi Denzel que j'ai achetée récemment. À 1 400 $. Cette formation, c'est plus ou moins pas mal. Et j'ai décidé aussi, je sais que dans la communauté, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ces genres de formation. Je le mets dans le programme que la personne va avoir. C'est des trucs très, très intéressants que je vous propose sur cet accompagnement. Durant un an, ces éléments-là, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de chercher, comme on dit, matin, midi, soir. Tous ces programmes, quand tu vois les prix, la formation, peut-être dans cette salle, il y a des personnes même qui m'ont demandé le prix de cette formation, ça tourne à tour de $499, qui est 300 000. Hein? Il y a la formation comment vendre, qui tourne à $149, formation comment gagner sa vie sur Internet, $150, etc., etc. Si vous faites l'estimation de ce programme-là, le coût total de ce programme est plus de $900, plus de 540 000 francs CFA. Quand quelqu'un veut avoir, et il y a des gens qui ont déjà acheté nos formations en crypto, je pense que dans ce groupe, etc. Mais comme j'ai dit, je vous avais dit dans le programme que je vous avais envoyé, moi aussi, je ferai quelque chose pour toutes les personnes qui seront là, du début à la fin. Au lieu de payer $900 ou $540 pour accéder à tout ce programme, que ce soit même la formation que j'ai achetée à $1 700, ça, je vous dis la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté. Si vous connaissez Yomi Denzel, je l'ai acheté récemment et c'est pas mal. Avec toutes les formations qu'on a fait sur la crypto et tout ça, toute personne vraiment qui est dans cette salle qui veut bénéficier à ce programme. Et le plus intéressant, il y aura un accompagnement annuel. Vous allez être dans notre groupe Club Entreprendre Autrement. Vous allez être dans nos groupes Vision d'Afrique qu'on va accompagner le reste de l'année. À chaque fois que vous êtes bloqué, il y a quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Pour tout ça, l'offre est spéciale pour aujourd'hui, pour les gens qui seront intéressés. Bien sûr, si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de problème, on reste en contact. Ils vont payer que $196. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient acheter notre formation en crypto hier, avant-hier. Je leur dis d'attendre cette conférence parce que je ne voulais pas qu'ils achètent la formation à 299 000 et aujourd'hui, on dit autre chose. Donc, toutes ces personnes qui vont participer sur ce programme, aujourd'hui, ils vont payer que $196, qui est l'équivalent de 117 000 francs CFA. Ça te permet d'accéder directement, si vous payez aujourd'hui, vous accédez directement aujourd'hui sur tout ce programme. La formation complète de la crypto-monnaie, la formation complète comment vendre, la formation complète comment gagner sa vie sur Internet. Et je vous offre les deux livres, l'art du trading de la crypto-monnaie et les clés du succès en entrepreneuriat. Je vous offre aussi la formation que je fais sur les multiservices qui coûte $99. Donc, quand tu cumules tout ça, ce n'est pas tout, mais on reste en contact. Tous les jours, on est là, on est dans le groupe, vous envoyez vos questions, vos réponses, on vous accompagne. Si vous faites 3 mois et vous n'êtes pas rentable sur le marché, c'est parce que vous n'avez pas suivi la formation. Donc, ça, c'est l'offre que je vous fais, le cadeau, hein, $196 uniquement pour aujourd'hui.
Si vous regardez sur selmarché.com, vous allez voir toutes ces formations et les prix. Si ça passe aujourd'hui, toute personne qui entre aussi pour continuer à suivre la formation, il n'y a pas de problème, que ce soit 2022, que ce soit 2023, que ce soit 2024. Mais les prix vont encore revenir sur les prix normaux. Voilà. Quand tu rentres sur selmarché, là, les gens qui vont acheter, voilà, c'est là. C'est 90 000. La formation en crypto-monnaie, c'est 299 000. Mais le pack qu'on a créé pour aujourd'hui, c'est ça. C'est uniquement pour aujourd'hui, 117 500. C'est uniquement pour aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on va supprimer ça. Après, on reste sur le prix normal. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui achètent nos formations après avoir suivi une vingtaine, voilà, ou bien plus de 6 mois, 1 an, les vidéos. Donc ça, c'est vraiment l'offre que j'ai décidé de faire. Et en même temps, je vous mets dans le club. Dans le club Entreprendre Autrement, j'aurai la possibilité de participer sur nos différents business qu'on fait à Ouagadougou. On est en train de discuter avec Hassan pour mettre en place ferme agriculture, parce que là, aujourd'hui, je commence à être expérimenté dans ce domaine avec comment il s'appelle, le ferme qu'on a organisé, que j'ai créé au Sénégal. Je produis des poulets, j'ai l'expérience et tout ça. Voilà l'offre que je vous fais. Là, la présentation, c'était vraiment vous donner les informations. Si vous pensez que c'est intéressant, merci, mais il n'y a même pas 1% par rapport à ce qu'on peut apprendre vraiment. Mais je, comme depuis 2022, j'avais l'habitude de faire ces lives, mais depuis 2022, je ne suis pas stable au Sénégal. Voilà, je n'ai pas fait, eu beaucoup de temps pour faire les lives. Donc voilà, maintenant je ouvre le micro, chacun peut prendre la parole pour parler sur la formation, bien sûr, ce qu'on vient de partager, sur l'offre, toute personne parle de ce qui l'intéresse. Donc voilà, je ouvre les comment ouvrir encore le micro, je viens sur plus, réactiver les micros eux-mêmes. Voilà, je pense que c'est fait. Ok. Voilà. Vous pouvez lever la main pour parler, il n'y a pas de problème. Chacun peut prendre la parole. Vous avez vu la salle, elle est magnifique. Je prends Job après Sidiki. Job après Sidiki. Avec plus de volume. Et ça lui allait bien. C'était une belle marque. Merci beaucoup. Vraiment, monsieur Steck, vous êtes formidable. Parce que je viens de passer à une étape supérieure de ma vie. Vous savez, ah, comment... Je me suis mariée, et moi, c'est pas une reprise. Ça me dit même que je suis mariée. Ça active quelque chose en toi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a un peu trop du bruit. Je suis en train de couper les micros. Allez-y, s'il vous plaît. OK, donc j'ai dit, je viens de passer à une autre étape. Et je suis très fier d'avoir suivi cette formation. Et cette formation a fait plus qu'apporter quelque chose dans ma vie. Cette conférence, parce que pour moi, c'est une formation aussi. Hein. Voilà, ça a activé, ça a créé un déclic en moi. Et ça m'a fait passer à une étape supérieure. Et je ne suis pas prêt de vous lâcher. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui demande comment je peux faire pour payer la formation. Donc, tu peux payer par Orange Money, tous les moyens de paiement. Attends, je vous montre. Voilà, vous pouvez faire capture d'écran. Il suffit juste que si vous payez par les réseaux, que ce soit VF, Orange Money, voilà, tout ça, tu peux payer sur le numéro qui est là. Ensuite, tu fais un capture d'écran, tu me l'envoies en privé sur mon numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est même, c'est WhatsApp. Pour ceux qui veulent utiliser les cartes Visa, les Mastercard, il n'y a pas de problème. Là, tu es obligé de entrer sur la plateforme, c'est-à-dire que sur selmarché.com. Je vous envoie tout de suite le lien. Vous pouvez entrer sur selmarché.com, vous cliquez ici, tu choisis cette pack et ensuite vous suivez, voilà, tu vas suivre juste cette étape et ensuite vous allez voilà, utiliser ta carte pour payer. Donc c'est ça. Là, tu remplis tout. Ensuite, voilà, vous cochez ici payer, vous commandez, on vous demande de payer avec ta carte. Donc c'est très simple et efficace. Pour ceux qui sont au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ouagadougou, si vous voulez payer, tu peux par Orange Money, par Wif, etc. C'est possible. OK. Sidiki, vous avez levé la main. C'est qui encore? Sidiki, allez-y.
Oui, je pense que j'ai déjà parlé. Hein. Voilà, je pense que j'ai dit. Voilà. Voilà, merci. Super. Oui, vraiment, je vous remercie déjà beaucoup hein, pour tout ce que vous faites. Ça fait déjà un bon bout de temps ce que je vous suis. Une fois même, je vous avais vu lors de la session avec M. Ouadogo. Et vraiment, je pense que je vais sauter sur l'offre dès maintenant. D'ailleurs, je pense même que je vais même payer en sortant. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Parce que... Je mets la porte de sexe parce que Allô? Je suis très déçue. Ok, il y a quelqu'un qui demande est-ce que si je veux payer en dollars, il y a un gros souci. Écris-moi sur WhatsApp, je t'envoie mon wallet. Nous, on est tous des cryptomans. Je peux envoyer mon wallet. Je vais retenir, c'est ça. Je suis un peu étonnée à... Allô? De Sandra et Nicole, Allô? Le fait qu'on les fait nous-mêmes, qu'on ait passé du temps. Allô? Vous m'écoutez? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Attends, il y a quelqu'un qui veut parler, je lâche le micro. Oui, mais moi j'étais. Non. Alex, vous pouvez. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur Chek. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, je voulais demander quand on paye ce PAX, on a droit à la formation. Total, y compris ou soit c'est les livres, le pacte qui est donné pour qu'on puisse nous former. Donc, quand tu payes le pacte, tu as tout. C'est-à-dire que, attends, je reviens ici. Quand tu payes le pacte, tu as tout ce qui est là. Tu as la formation complète de la crypto-monnaie, comment vendre, comment gagner sa vie sur Internet, la formation en multi-service. Et les deux livres, moi-même, je vous offre les deux livres là. Je vais vous envoyer par mail. Là, c'est gratuit. Et en même temps, vous êtes sur Club Entreprendre Automat. Je pense que ceux qui me suivent m'entendent parler tout le temps de Club Entreprendre Automat. Et on reste en contact toute l'année de 2022. Vous êtes dans le groupe où, à chaque fois que vous avez un problème, je serai là et mon équipe. Ce n'est pas moi seul. Il y a le Babacar, il y a Youssouf Gabi, il y a Mohamed Prophète, il y a tout le monde Prophète. Keita, si vous êtes bloqué quelque part, il y a quelqu'un qui vous répond rapidement pour essayer de vous aider. Concernant le business de dropshipping, d'importation, d'exportation, pour ceux qui veulent se lancer, quand tu entres dans cette offre, tu fais partie de ce programme toute l'année, on sera là. On est là. Ok. Vraiment, merci beaucoup, M. Chef. Bonjour. Bonjour. Merci. Ok. Allez-y. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Monsieur Seng, je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. Je peux dire que c'est une formation. Vous avez fait une formation. On est très content de vous, que Dieu vous paye. Ndiaye Bitcoin. Ndiaye, ah, toi, ton nom, là, j'adore quoi, Ndiaye Bitcoin. Oui, bonjour, M. Sek. Vraiment. Oui, bonjour. Je suis passionné de particulièrement au Bitcoin. Vraiment, c'est vraiment intéressant, ce domaine-là. Et je tiens aussi à vous remercier. Vraiment, cette formation a été très, très intéressante. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses durant cette journée parce que moi, j'étais trop concentré dans les crypto-monnaies. Et comme vous l'aviez dit, il faut pas rester dans un seul truc, en fait. Donc, le truc de e-commerce, là, je viens de découvrir ça. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, Inch'Allah. Vraiment. On vous remercie fortement, en tout cas, du travail que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup, merci. On sera là. Toutes les personnes qui vont se lancer, qui vont surtout entrer sur cette plaque, on sera là. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on soit ensemble. Comme j'ai dit au départ, on va internationaliser nos business. On va internationaliser, on sera partout. On n'aura plus besoin de barrières, frontières, etc. Monsieur Sek, les formations, ce sont des vidéos ou que des livres? Non, des vidéos, 100% vidéos.
Ok, merci beaucoup. Et à un moment, vous avez parlé d'investir dans des différents projets que vous pourriez faire. Et comment ça va se passer? Là, c'est le club Entreprendre Autrement. Quand quelqu'un active ce pack-là d'aujourd'hui, on le met aussi dans le club Entreprendre Autrement. Considérez, c'est comme si j'y suis déjà. Ah, tu es déjà? Ah, c'est super. Oui, considère que j'y suis déjà. D'accord, d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà, je suppose que tu es déjà. Donc, dès que c'est bon, on t'explique maintenant les projets qui sont en cours, l'aviculture. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Les gens me voient sur le projet d'aviculture, sur le terrain et tout ça, mais c'est pour vous dire la vérité, ce n'est pas moi seul. C'est le club Entreprendre Autrement. Chacun met quelque chose pour participer et tout. Selon témoin, parce qu'on a compris que la meilleure manière pour atteindre certains niveaux, la liberté financière, c'est d'investir, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Tu ne peux pas être dans le club entreprendre autrement et rester sur une seule source de revenus. On ne l'accepte même pas. Parce qu'on veut, comme j'ai dit dans mes vidéos, c'est le club qui a l'intention de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc, toute personne qui saute sur cette opportunité, sur cette occasion, aujourd'hui, il fera partie de ce programme. Il n'y a aucun souci. Ok, d'accord. Et donc, on pourra se croiser dans vos locaux ou ça sera juste en ligne? Vous êtes à Dakar? Je suis à Dakar, exactement. Il n'y a pas de problème, considère. Si vous êtes là, moi, j'ai eu l'occasion de vous voir. Il n'y a pas de problème. Dès que vous faites ça aujourd'hui, si vous voulez que tu passes dans nos locaux, on aura l'occasion de discuter, de mettre un plan d'action rapidement. Parce qu'après, bon, je suis un peu bloqué au Sénégal, mais je pense que le 20, je serai à Abidjan, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on n'est pas, que ce soit Abidjan, que ce soit ailleurs, on est tous toujours ensemble. Il y a le WhatsApp, il y a le Zoom, il y a le Google Meet. On est tout le temps ensemble. Voilà, sur le business et tout. Voilà, pour le Togo, je pense qu'après Abidjan aussi, je suis en train de voir comment partir au Togo. Hein? Parce que j'ai des amis, j'ai aussi même quelques membres du club Entreprendre Autrement là-bas. Donc, merci à vous aussi d'avoir connecté depuis Togo, etc. Voilà, donc, comme j'aurais bien depuis tout à l'heure, depuis le début, je cours sur le temps. Comme on dit, on fait course à la montre, voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui? Dans le pack de la formation, vous nous conseillerez de commencer par quoi en premier pour commencer déjà à gagner de l'argent? Dès que vous activez votre pack, moi, je vous dis, bon, tu peux commencer avec la crypto-monnaie. Et ensuite, parce que la crypto-monnaie, c'est très bien. Mais ensuite, nous, on va vous guider quoi. Dès que vous commencez, toute personne qui achète le pack aujourd'hui, on aura un entretien de 30 minutes demain ou dans la semaine, des entretiens de 30 minutes pour voir ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais, sur quoi tu dois acheter, votre niveau des gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de novices sur la crypto, pour vous dire, tu peux citer telle étape, parce que j'ai beaucoup développé sur CoinMarketCap, sur la formation, sur la première étape, tu as CoinMarketCap, tu as comment analyser, analyse technique, analyse fondamentale, prendre. C'est-à-dire qu'il faut, toutes les personnes qui vont prendre part aujourd'hui, je vais demander à Babacar, on va caler des rendez-vous avec chacun d'entre vous, individuellement, que ce soit sur Zoom ou WhatsApp, et discuter. Ensuite, on pourra établir un plan d'action. C'est très important d'avoir un plan, de planifier, etc. Ça, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Parce que j'ai déjà perdu, si je peux dire, même 100 000. Ah. Ah oui, l'expérience personnelle. D'accord, c'est super. C'est top. Bonjour, chef. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ah, super. Très bien. D'accord. Moi, je suis Togolais, je suis à Abidjan. Ah, c'est super ça. Ouais. Bon, en fait, je voulais poser juste une petite question. Parce que concernant la formation, je suis déjà dans la crypto-monnaie. J'ai déjà acheté des monnaies, voilà, tout ça là-bas. Je n'ai pas encore commencé à vendre. Bon, moi, j'ai acheté seulement. Voilà. Mm-hmm. Bon, concernant la formation, bon, je ne sais pas, puisque vous êtes à Dakar, vous résidez à Dakar, moi, je suis à Abidjan. Concernant la formation, là, si je paye, comment je vais suivre par vidéo ou bien comment ça va se passer? Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que nous, notre génération, on enlève que Sénégal, Côte d'Ivoire, sachez qu'on est dans le même zone. Donc,
c'est par vidéo, la même façon qu'on entre. Est-ce que la formation d'aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Moi, j'étais tellement content. J'avais des visions à commencer les activités un peu, mais quand j'ai écouté, j'ai appris. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment motivé. Voilà, ça m'a vraiment motivé. Je te dis une chose, mon frère, ça, c'est même pas 1% de la formation, mon frère. C'est-à-dire que moi, j'ai allé sur la formation comment vendre, formation crypto. Je prends un peu pour. C'est rien, ça c'est juste partage d'expérience. Quand tu rentres sur la plateforme, pour gagner de l'argent sur Internet comme ça, parce que souvent je publie des choses, parce que je vends les produits cosmétiques, des choses comme ça, mais quand je fais publication, bon, les gens ne réagissent pas, mais de la manière que vous avez expliqué de suite, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment motivé, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, quoi, vraiment. Maintenant, je vais modifier comment vendre maintenant mes produits. Vraiment, merci beaucoup. Ce n'est que le début. C'est-à-dire que la formation, quand tu le prends, tu auras accès à tout par vidéo, des liens que tu cliques, tu regardes, le plus intéressant, selon ta disponibilité, etc. Et on sera là à chaque fois que tu es bloqué, tu nous fais si, on est là. Je ne dirais pas que je suis un magicien qui te promet que je règle tous les problèmes, mais à chaque fois, selon notre expérience, les problèmes qu'on a eu à régler, on sera ensemble. Sinon, les publications que j'ai faites, c'est sur moi-même, ma page personnelle. Je n'ai pas encore créé un autre compte Facebook ou bien YouTube. Je n'ai pas encore créé. Sinon, non, tu crées pas un autre compte Facebook, mais tu crées une page. Là, on se voit. Dès que tu prends la formation, on se voit. Je t'aide à créer. Parce qu'il ne faut pas publier les produits sur ton compte personnel. Tu le publies sur ta page Facebook. Ok, d'accord. 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 Merci beaucoup. Merci. Donc, je prends 2-3 personnes avant qu'on se dise sur l'autre côté, sur la formation, pour ceux qui vont participer, etc. En fait, il y a d'autres personnes qui demandent. C'est aujourd'hui, vous avez dit que c'est seulement aujourd'hui, mais vous nous l'avez annoncé il y a à peine, je dirais, quelques minutes. Donc, ça finit quand exactement l'offre? C'est ça l'entrepreneuriat. Bon, ce que tu dis aussi, je devais vous avertir à l'avance. Et l'objectif avec l'équipe, on avait décidé de le finir aujourd'hui. Mais comme vous dites aujourd'hui, comme ce que tu viens de dire là, bon, je vais demander à Babacar de le laisser sur la plateforme jusqu'à demain à 15h. Comme on a commencé aujourd'hui, ça devient 24h. On a jusqu'à demain 15h maximum. On a jusqu'à demain 15h. Voilà. Donc, bon, moi, je vous... Comme je pense qu'on a fait le tour, je vous félicite d'abord. Le fait que vous êtes conscient que la réussite, ce n'est que la connaissance. Ce qui vous différencie avec telle personne, ce n'est pas la quantité de l'argent de ces personnes, mais c'est la quantité de connaissances de ces personnes et tes manques de connaissances. Tu peux arriver à un autre niveau, il n'y a pas 90 000 autres options. Cherchez plus de connaissances. Et là, le fait que vous êtes là jusqu'à la fin prouve que vous êtes conscient, convaincu sur l'importance de ça aujourd'hui. Donc moi, je tiens à vous féliciter et de vous dire que soit avec moi ou sans moi, continuez à vous former tous les jours. Je vous montre la formation que j'ai achetée hier, de Pascal Marc, que je suis en train de suivre aussi. La formation que je suis en train de suivre. Ça, c'est ça. Cette vidéo, je vais vous montrer comment créer le statut d'auto-entrepreneur pour les Français qui vivent en France, tout simplement avec le site Abi qui est totalement gratuit et qui est vraiment top. Donc, c'est pour ça que je vous invite. C'est une formation que j'ai achetée. La seule et unique chose qui peut me faire dépenser de l'argent aujourd'hui sans réfléchir, c'est ça. Formation livre. Si vous regardez l'une des dernières vidéos que j'ai partagées sur les livres-là, vous allez comprendre. J'ai lu tous ces livres, tout. Il n'y a pas de secret. Plus que tu apprends,
Il y a beaucoup de personnes qui vont se poser, est-ce que c'est normal? J'ai 100 000, j'ai 200 000, est-ce que je vais acheter? Est-ce que je ne vais pas acheter? Il n'y a pas de problème, tu gardes l'argent, tu bouffes l'argent, tu restes ignorant, tu ne vas pas avancer. Tu as plus de connaissances, plus de compétences, tu avances. Tu as des secrets pour réussir dans la vie. Le secret, c'est rien d'autre que la connaissance et l'information. Celui qui détient l'information au 21e siècle détient le pouvoir. Ne cherche pas, c'est-à-dire que continuez à vous former, continuez à apprendre, continuez à lire, continuez à feuilleter. Je te promets que vous allez devenir l'homme que vous voulez devenir. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Vous ne vous formez pas, vous allez stagner. Moi, personnellement, j'achète tous les jours des formations. Pourquoi? Parce que si vous achetez des formations, je dis, ouais, moi, je gagne temps, j'arrive à tel niveau, je n'achète plus de formations. Les gens te dépassent. Le monde avance avec une vitesse extraordinaire. On achète des formations, on lit, on achète, on lit. Si on le fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'intelligence. Ce n'est pas parce que lui, il est intelligent ou lui, il n'est pas intelligent. Tout le monde a sa place, mes amis. Tout le monde a sa place. Et j'espère que 90% parmi des personnes qui sont là, on sera ensemble dans l'autre groupe de formation où on va faire le suivi, où on va faire le partage d'expériences les plus intéressants, là où on va essayer de voir ce qu'on va peut-être dans les mois à venir commencer à partager ces résultats sur le net, parce que c'est ça l'objectif. On va venir vous voir, faire des interviews avec vous. Pour ça, il faut sauter sur l'opportunité. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça s'est bien passé. Si tel n'est pas le cas, l'objectif, c'est juste envie de partager. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. On reste en contact dans le groupe ou s'il y a des questions dans le groupe, etc. Merci à tous. On se donne rendez-vous au chemin. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît, envoyez la capture du PMO, hein, le numéro, là, la capture dans le groupe. OK. Vraiment, merci beaucoup, monsieur chef. D'accord, merci tout le monde, merci à tous. Vraiment, merci beaucoup et bonne soirée. Vraiment, merci. Merci beaucoup.